Nous commençons donc ce conseil municipal, toujours dans ce contexte lié aux contraintes sanitaires. Hein, c'est ce qui explique que nous sommes encore au Colisée, en attendant que le gouvernement prenne les décisions qui s'imposent pour alléger la contrainte dans notre belle région francilienne. Alors, pour ce qui concerne l'appel du conseil municipal, donc Jean-François Paridjé est présent, Waïd Abbassi, Christian Allard, Didier Attali, Rachida Benhamed, Laetitia Blais, Alain Bourgeois, Arthur Georges Bras, Émilie Buff, Amandine de Kessling, Bruno Tellos, Sally Diop, Aurore Ebumbu, Donia Galaoui a donné pouvoir à Julien Leloup, Chantal Gilevski, Ludivine Goncalves, Timmy Gosselin, Franck Gourdi, Jean-Marie Guéraud, Pascal Guy Béga, Pascal Emery, Virginie Hublet, Sarah Lacroix, Sandra Lefebvre, Julien Leloup, Bernard Le Cicero, Marie-France Maoukou, Sébastien Malkic, Kevin Marilus, Alal Mouradoudi, Fatma Ostur, Christian Pastor, Corinne Pono-Roger, Saïd Rezeg, Fernando Rodriguez, Sadio Sissoko, Jérôme Tisserand, Rachel Thorne, Evelyne Vessière, Emmanuel Vielpo, André Mouquine-Fortier, présent. Madame Valentine Rousseau. Elle vient ou vient pas? Elle est présente. Baouima. Présente. Et Gilles Savray. Présent également. Parfait. Alors, je propose que le secrétaire de séance soit Monsieur Paridjé. C'est bien longtemps qu'il n'avait pas assuré le secrétariat de séance. Bien, un mot d'information concernant un arrêté préfectoral complémentaire au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Le permis de construire a été accordé à la société Cibex pour la construction d'un entrepôt. Et derrière ça, ce sont évidemment des perspectives d'activité économique et d'emploi. Le préfet a délivré le 19 avril 2019 une autorisation d'exploiter. La société a apporté des modifications à son projet initial pour des aménagements intérieurs et extérieurs et du coup a déposé deux permis de construire modificatifs qui ont été naturellement accordés. Parallèlement, le préfet de Seine-et-Marne a pris un nouvel arrêté préfectoral apportant des prescriptions complémentaires à l'arrêté initial. Conformément à la demande de la préfecture, cet arrêté a été affiché en mairie 13 février 2020 au 20 mars 2020 et doit être également transmis au conseil municipal par mesure d'information. Voilà. Par ailleurs, vous trouverez dans vos dossiers une délibération nommée avis sur la dérogation à la règle du repos du dimanche pour les soldes d'été 2020 pour le personnel salarié des établissements de commerce de détail et de commerce alimentaire situés sur la commune de Meaux. Avec une modification de la liste des dimanches, c'est une délibération qui n'a pas été envoyée complètement dans les délais, et c'est la raison pour laquelle, comme je le fais à chaque fois, je vous propose que celle-ci soit examinée, sauf opposition de votre part. Donc je voulais simplement vous dire qu'elle me paraît absolument indispensable pour soutenir les commerces meldois, et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je veux simplement à ce stade, je ne vous la présente pas, mais simplement à ce stade m'assurer qu'il n'y a pas d'opposition sur le principe de sa délibération. Pas d'opposition. Alors, nous devons approuver le compte-rendu du conseil municipal du mois de janvier, du 26 janvier. Alors, évidemment, concerne ceux qui étaient présents dans le conseil municipal précédent. C'est la raison pour laquelle je voudrais demander aux élus du précédent mandat encore présents de bien vouloir signer l'approbation de ce compte-rendu du conseil municipal du 26 janvier 2020. Et puis par ailleurs, je souhaite soumettre à votre approbation le compte-rendu du conseil municipal du 25 mai 2020. Y a-t-il sur ce compte-rendu des observations ? Prendre de parole. Allez-y. Oui. Ça fonctionne, oui. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Donc je voulais féliciter les services qui ont fait un travail de retranscription remarquable. Bah, je dois vous avouer que je ne l'avais jamais lu avec une attention soutenue, ces PV. Mais vous verrez, au fil du temps, vous serez impressionné par le professionnalisme de nos collaborateurs. Je n'en ai jamais douté.
Oui, mais vous ne l'avez jamais dit, donc c'est bien qu'on l'entende. Je le dis et je le répète autant que nécessaire. Donc j'ai soumis à deux collègues enseignantes expérimentées, non syndicalistes, qui disposaient d'un certain temps, le soin de relire. Donc elles ont relevé plusieurs coquilles, mais sans aucune importance. Et ce n'est pas la faute de vos services. Hein, les retransmissions sono ne sont pas toujours de bonne qualité. J'espère qu'elles le seront meilleures aujourd'hui. Il y a quand même un petit bijou que je tenais à vous livrer au niveau des coquilles. Page 24. Donc, je lis. Hein. Pour en revenir à. C'est donc Mme Rousseau qui est citée. Pour en revenir à votre attaque à mon encontre, Mme Vielpeau, je note que l'office de l'huissière que vous avez choisi, non pas l'office, bien sûr, de l'huissière, mais c'est le fils de l'huissière. Voilà. Et puis, donc, une rectification que je tenais à faire lors de cette séance, donc concernant un propos que j'ai tenu et qui n'a pas été retranscrit, page 34. C'est donc au niveau de l'enregistrement, 2 heures, 7 minutes, 7 secondes. Monsieur le maire, donc vous déclarez, moi aussi j'ai connu les miennes, y compris pendant cette campagne, de votre fait, je n'ai pas déposé plainte, j'ai attendu que ça passe. Il y a un point, à ce moment-là, je vous ai coupé pour déclarer, elles ne sont pas de mon fait. Et ça n'a pas été retranscrit. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Et en tout cas, merci pour cette contribution majeure à la lutte contre les fautes de frappe. Ce sont des coquilles qui n'ont pas d'importance. Donc, je remettrai ce document à vos services. Moi, je ne suis pas d'accord. Les coquilles, c'est très important de les combattre. Oui. Donc, c'est très bien. Et je voudrais vous dire que je vous suis reconnaissant de votre contribution à cet exercice de lutte contre les coquilles. Donc, je transmettrai aux deux enseignantes qui apprécieront. Bien sûr. Vous pouvez transmettre à toute personne qui, à ce titre, participe au service public. Vous savez, c'est une mission de service public de participer à l'action municipale. Et le fait qu'elle le fasse me touche. Et m'engage. Bien, pas d'opposition à ce compte-rendu, il est adopté. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur Savré, pardonnez-moi, vous aviez demandé la parole, effectivement. Oui, je vais essayer de parler un peu plus fort, parce que, effectivement, la dernière fois, on n'a pas dû assez bien m'entendre, ce qui fait que, effectivement, une coquille s'est glissée dans le PV du 25 mai. Donc, Monsieur Mouquine ne l'a pas relevé. Défaillance. Ouais. Et il a sans doute lu les siennes, et moi, j'ai lu les miennes pour ce qui me concerne. Dans mon intervention, page 28, s'est glissé l'archipel français, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, alors qu'en fait, il fallait lire le bulletin de l'AMIF. Très bien. Alors, c'était l'interview du directeur du CEVIPOF qui donnait son analyse sur les élections municipales du premier tour. Voilà. Bon, on adopte, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Création des commissions municipales et désignation de leurs membres. En application de notre code des collectivités locales, le conseil municipal peut former des commissions qui sont chargées, vous le savez, d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Le maire en est le président de droit, mais la composition des différentes commissions doit respecter, bien sûr, la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus. Dans ce contexte, les membres du conseil sont appelés à créer les commissions suivantes. Commission des finances, des ressources humaines, enfance, éducation, petite enfance, handicap. Affaires sociales, familles, seniors, personnes âgées, dépendance, aide aux victimes, sport, santé, développement des professionnels de santé, culture, patrimoine, animation culturelle et festive, commerce, foire et marché, animation commerciale, commission jeunesse, une commission habitat et urbanisme, rénovation urbaine, logement, transport et mobilité, écologie, développement durable, végétalisation et fleurissement, développement numérique et ville intelligente, aide au ravalement, citoyenneté, démarches administratives, monde combattant et devoir de mémoire. Vous observez naturellement que le découpage de ces commissions reprend pour une large part les attributions que nous avons confiées à nos différents adjoints et conseillers municipaux délégués. Alors, il est également demandé de procéder à la désignation de leurs membres, comme le permet l'article L21 du Code général des collectivités locales. Il est proposé de ne pas recourir au scrutin secret, pour des raisons de lourdeur, naturellement. Cette proposition, évidemment, doit être actée à l'unanimité, c'est bien normal.
Donc, si personne ne demande de vote secret, de vote à bulletin secret, nous pourrons procéder à main levée. Monsieur Moukine. Oui, merci, monsieur le maire, collègues. Donc, nous voulions vous remercier de votre geste fair play, courtois, qui permet donc aux deux groupes d'opposition minoritaires donc, d'être présents, chacun, dans l'ensemble des 13 commissions. Donc, pour cette raison, nous ne demanderons pas un vote à bulletin secret. Et nous voterons pour. Alors, pour votre information, ce n'est pas, je dirais, une exception. Et nous l'avons fait depuis toujours, depuis que j'ai été élu maire. Je crois que l'usage n'était pas celui de mon prédécesseur, mais moi, depuis que j'ai été élu maire, j'ai toujours voulu que les oppositions puissent siéger dans toutes nos commissions municipales, parce que, d'abord, on n'a pas la vérité révélée, et donc il peut se trouver que sur un certain nombre de sujets, l'opposition, lorsqu'elle est constructive, vient apporter sa contribution au débat. Et deuxièmement, parce qu'il est tout à fait normal que le débat soit pluraliste. Voilà. Alors, vous avez dans vos dossiers la liste des nominations proposées. Je ne vais pas les reprendre tous parce que ce serait un peu rébarbatif, notamment pour le public qui nous écoute. Tout cela sera naturellement publié, hein, ça va de soi. Je rappelle au passage que notre conseil municipal, comme le prévoient les dispositions, est retransmis sur Internet, puisque malheureusement, les raisons de conditions sanitaires font que nous ne pouvons pas accueillir le public. Vous retrouvez donc la totalité des compositions, elles seront rendues publiques. Je vous propose donc de procéder à un vote. Alors, par contre, est-ce qu'on doit voter pour chaque commission ou pour l'ensemble ? L'ensemble ? Donc, ce que je vous propose, faisons les choses dans l'ordre. Il n'y a pas d'objection à ce qu'on vote pour l'ensemble, parce que c'est pour éviter de faire 10 votes. S'il n'y a pas d'opposition, donc je vous propose de voter une fois. Qui est contre la composition de ces commissions ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous en remercie. Nous allons maintenant désigner les représentants de la ville au sein de divers organismes, puisque là aussi, je le dis pour... les Meldoises et les Meldois qui nous écoutent, les premiers conseils municipaux d'un nouveau mandat sont des conseils d'installation, et donc nous avons vocation, avant d'aborder un certain nombre d'autres délibérations importantes, nous avons vocation évidemment à désigner un certain nombre de nos représentants dans divers organismes auxquels la ville est amenée à participer, notamment à travers des subventions publiques. Donc, j'ai fait procéder pour chacune d'entre elles à des désignations des représentants de la ville de Meaux. L'objectif, évidemment, à chaque fois, est de désigner des élus qui, du fait de la délégation que je leur ai confiée, sont en prise directe avec ces organismes, puisque l'objectif, naturellement, c'est que nous puissions et qu'ils puissent porter le message du maire et de la municipalité sur la politique que nous souhaitons conduire. Alors, cela concerne l'OCAM, avec Jérôme Tisserand, Kevin Marilus, Laetitia Blais. Nous avons un représentant à la CARED, j'ai demandé à Sally Diop, évidemment, d'en être la représentante. Pour la régie du Pays de Meaux, j'ai demandé à Bernard Le Cicero. Pour le conseil d'exploitation de la régie de l'espace culturel Charles Beauchard, j'ai proposé pour le conseil municipal Corinne Pono-Roger, Marie-France Mahoucou, Jérôme Tisserand. Pour la représentation de personnalités sont conservées, hein, celles qui y étaient, donc Janine Delorme, Anne-Marie Le Teneur, Nadine Villaume, Mélanie Dubois, Nadine Thomas, Dorothée Malherbe. Pour le comité de jumelage, nous avons 8 titulaires, 8 suppléants, Jérôme Tisserand, Kevin Marilus, Virginie Hublet, Ludivine Concalves, Julien Leloup, Sarah Lacroix, Aurore Eboumbou, Rachel Thorne. Comme suppléants, Corinne Pono-Roger, Alal Mouradoudi, Fernando Rodriguez, Sandra Lefebvre, Fatma Osturk, Pascal Guibéga, Sébastien Malkic et Donia Galaoui. Pour la géothermie, Alain Bourgeois, qui connaît bien ces sujets, Pascal Emery et Christian Pastor, en suppléant Marie-France Mahoucou, Arthur Georges Bras, Rachida Benhamed. Pour le CSMO Football, Christian Allard, Fernando Rodriguez, Christian Pastor. Pour l'association Gérard Philippe, Jérôme Tisserand. Pour Equalis, qui est l'ancienne Rose des Vents, Corinne Pono-Roger. Pour le syndicat intercommunal du canton de Meaux pour la construction et l'équipement d'un externat médico-pédagogique et médico-professionnel, en titulaire, Christian Allard, Laetitia Blais, Timmy Gosselin, Pascal Guibéga, en suppléant Christian Pastor, Sarah Lacroix, Alain Bourgeois, Didier Attali. Pour les conseils d'administration du foyer de l'enfance, Corinne Pono-Roger, Laetitia Blais. Pour la commission de suivi pour la société BASF,
Jean-Marie Guéraud, Alain Bourgeois et en suppléant Kevin Marilus, Fernando Rodriguez, pour les conseils d'administration des collèges et lycées, pour Moissan, Sarah Lacroix, suppléant Bernard Le Cicero, pour Jean Villard, Sarah Lacroix, Émilie Buff, pour Coubertin, Sarah Lacroix, Émilie Buff, pour Coubertin, lycée professionnel, Sarah Lacroix, Émilie Buff, lycée Baudelaire, Sarah Lacroix, Émilie Buff, pour le collège, Amandine de Kessling et Emmanuel Vielpeau pour Henri IV, pour Fraud, Pascal Emery, Christian Pastor, pour Camus, Virginie Hublet, Émilie Buff, Beaumarchais, Virginie Hublet, Saïd Rezeg, pour Dunant, Virginie Hublet, Fatma Ozturk. Pour beaucoup, il s'agit de reconduction pour ceux des élus qui étaient déjà présents dans la municipalité précédente. Nous avons enfin désigné des représentants pour chacune de nos écoles, avec pour à l'école Alain maternelle Saïd Rezeg, Albret Al-Almouradoudi, idem pour Alembert, pour Paul Bert 1 et 2 Fernando Rodriguez, pour Binet 1 et 2 Bruno Delos, Saint-Exupéry Fatma Ozturk, Charles Péguy Chantal Gidevski, Compéré 1 Ludivine Concalves, Compéré 2 Ludivine Concalves également, pour Condorcet Christian Pastor, Luxembourg Franck Gourdi, Jean de La Fontaine Pascal Guy Béga, Grosse-Pierre Franck Gourdi, Guinmer Fatma Ozturk, Evelyne Vessière pour École Penneville, pardon, Evelyne, je te change ton patronyme, excuse-moi. Pour le Temple, Timmy Gosselin, pour Tronchon, Fernando Rodriguez, pour le Val-Fleury, Sandra Lefebvre. Pour les élémentaires, Alain 1, Alain 2, Saïd Rezeg, pour Paul Bert, Fernando Rodriguez, pour Binet, Bruno Delos, Saint-Exupéry, Fatma Ozturk, Charles Péguy, Chantal Gidevski, Compéré 1 et 2, Ludivine Goncalves, Condorcet 1 et 2, Christian Pastor, Luxembourg, Pascal Emery, Grosse-Pierre, Franck Gourdi, Guinmer, Fatma Ozturk, Marronnier, Timmy Gosselin, Pinneville, Evelyne Vessière, Tronchon, Fernando Rodriguez, Val-Fleury, Sandra Lefebvre. Je m'arrête un bref instant sur ce point. J'ai indiqué à l'ensemble des élus qui me représenteront dans les différents conseils d'école le prix tout particulier que j'attache, et je l'ai naturellement dit également à Emmanuel Vielpeau, qui a vocation à coordonner l'action, le prix tout particulier que j'attache à l'assiduité. Il y a eu dans le mandat précédent quelques manquements que je ne veux pas revoir pour ce mandat, et donc chaque élu a l'obligation de siéger dans ses conseils d'école, de n'en manquer aucun, sauf raison évidemment impérieuse, d'en informer l'administration et Emmanuel au possible s'il y a un empêchement, et qu'il y ait une continuité absolue. Une procédure a été mise en place, et Emmanuel, avec qui je viens de m'en entretenir, a mis en place également un dispositif pour que chacun arrive à ses conseils d'école avec toutes les informations, puisse répondre aux questions légitimes de la directrice ou directeur d'école, des représentants de parents, de telle sorte que chacun soit bien informé et que l'on évite d'éventuelles frustrations ou des informations, ça peut arriver, de telle sorte que tout le monde soit bien au courant et que de notre côté, nous soyons très réactifs, comme nous l'avons toujours été, aux attentes des établissements. Pour la commission départementale de réforme, titulaire Virginie Hublet, Christian Pastor, quatre suppléants Fernando Rodriguez, Timmy Gosselin, Alain Bourgeois, Didier Attali. Pour le COS du personnel de la ville, Emmanuel Vielpeau, Corinne Ponneau-Roger. Pour le CNAS, Emmanuel Vielpeau. Pour le syndicat des énergies de Seine-et-Marne, le fameux DESM, Didier Attali, Alain Bourgeois et suppléant Julien Leloup. Pour la commission locale du secteur patrimonial remarquable, Arthur Georges Bras, Jérôme Tisserand, Bernard Le Cicero, Jean-Marie Guéraud, Amandine de Kessling. Pour l'ASSIAD du Pays de Meaux, Corinne Ponneau-Roger. Pour le comité de suivi de mise en œuvre de la mutualisation, trois représentants, mutualisation entre Ville de Meaux et CAPM, Emmanuel Vielpeau, Bruno Delost, Jean-Marie Guéraud. Pour le groupement d'intérêt public Maximilien, Bruno Delost en suppléant Alain Bourgeois, Bruno Delost en titulaire Alain Bourgeois en suppléant. Voilà, j'en ai terminé de cette liste. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Moukine. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, comme vous l'avez expliqué, il s'agit de désigner et non d'élire les représentants donc, du conseil municipal au sein de différents organismes, associations, conseils d'administration, où des places sont réservées de droit aux représentants du conseil municipal. Donc vous avez énuméré, c'est une longue liste. Je regrette sincèrement que votre manque d'ouverture en direction donc, des deux groupes minoritaires, aucun poste ne nous a été proposé. Je prends l'exemple, par exemple, du comité de jumelage. Vous disposez, qui est un sujet tout à fait consensuel. J'ai de longues amitiés à Basildon et à Lingerhaus.
Et donc, si vous disposez de 8 places de titulaires, 8 places de suppléants, il n'était quand même pas très difficile de nous en proposer une. Petit détail sur le comité de jumelage, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Le mot jumelage a disparu des délégations. Il n'y a pas de conseiller ou de maire délégué au jumelage. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit oubli. Je vous remercie. Alors, en l'occurrence, cela fait partie de la délégation de la culture, mais c'est également une action que j'ai confiée à Sally Diop, en tant que vice-présidente de la communauté d'agglomération, puisque nous résonnons de plus en plus en communauté d'agglomération. Merci. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, élection maintenant des membres du CCAS, Comité d'action sociale. Je vais passer la parole à Corinne Pono-Roger. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Le Code de l'action sociale et des familles prévoit qu'un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1500 habitants et plus. Dès son renouvellement, le Conseil municipal procède à l'élection des nouveaux membres du Conseil d'administration du CCAS, présidé par le maire. Il comprend en nombre égal au maximum 8 membres élus en son sein par le Conseil municipal et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. Il est demandé aux membres du conseil municipal de fixer la composition du conseil d'administration du CCAS à 4 membres élus du conseil municipal et 4 membres nommés par le maire et de désigner les administrateurs, élu au scrutin de liste. Le scrutin est secret. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'un vote à bulletin secret. Je propose que Mme Blais et Mme Thorne, Laetitia et Rachel, de leur prénom, soient scrutateurs. Il y a une liste A avec comme candidats Corinne Pono-Roger, Emmanuel Vielpeau, Evelyne Vessière, Gilles Savray, Sadio Sissoko et Saïd Rezeg. Je rappelle que donc il y a un membre de l'opposition dans cette liste, je pense, M. Savray. Y a-t-il une autre liste? Parole. Pardon, M. Moukine. Merci, M. le maire, chers collègues. Donc, comme chacun sait, le rôle donc, du CCAS est déterminant donc, dans la vie mairie. De notre ville. C'est en quelque sorte le comité d'entreprise hein, pour ceux qui travaillent dans le privé. Le CCAS? Ah non. Ah non. Rien à voir. Oui, enfin bon, excusez-moi, j'ai commis une erreur. Ah non, alors là, non, si je peux me permettre, parce que je crois que c'est important. Que oui, les oui, gens... non, je. Non, parce que comme souvent vous nous dites, vous avez raison d'ailleurs, tout à fait, de toujours rappeler votre histoire, c'est important que les gens sachent votre histoire, que ça fait, je crois, combien, mais dit 35 ans ou 40 ans, je ne sais plus, que vous suivez le conseil municipal et que vous êtes, vous l'avez encore dit il n'y a pas très longtemps, un excellent connaisseur de nos affaires municipales. Je crois qu'il est important de ne pas induire le public en erreur. Donc, ce que vous appelez le comité d'entreprise, qui est un mot totalement inapproprié, parce que nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une collectivité publique au service de l'intérêt général. Il s'agit là, en l'occurrence, du COS, du Comité des œuvres sociales. Et sur ce point, nous sommes très attentifs à ce qu'il n'y ait aucun mélange de genre avec ce qui pourrait être la vie d'une entreprise. Et ça, c'est un point majeur. Là, en revanche, il s'agit du Comité pour l'action sociale. C'est une très vieille institution. Le Centre communal d'action sociale, ça date du Moyen-Âge. Les communes, à l'époque, étaient essentiellement chargées de l'aide sociale et nous avons naturellement cet héritage du passé que nous préservons dans nos communes afin de venir en aide aux personnes qui sont dans la grande difficulté, mais aussi, parce que j'ai souhaité l'élargir, apporter ainsi une bonne partie de l'action sociale à l'endroit de ceux de nos concitoyens qui sont dans la difficulté. Et il est très important de ne pas mélanger parce que ça donnerait un sentiment de confusion. Et comme je sais que vous êtes très attaché à la précision et rappelez souvent que vous connaissez bien les dossiers, je me permets de vous donner cet élément pour renforcer votre science. Je vous remercie, monsieur le professeur. Je vous en prie. Donc, je reconnais volontiers que je ne suis pas parfait, qu'il m'arrive de commettre des erreurs. Donc, c'était une expression inappropriée. Ce que je voulais simplement signaler, donc, il y a 4 membres qui vont être élus à bulletin secret par le conseil municipal. Vous avez donc proposé une place à Gilles Savray, qui est un des représentants des groupes minoritaires. Il aurait été élégant, fair play, de nous proposer une place également.
vous gardiez une large majorité au sein de ce comité, de ce conseil plutôt, qui joue un rôle majeur dans la vie de la commune et de la ville. Oui, 6 sièges quand même. C'est une surreprésentation de l'opposition, si j'en crois le score réalisé. Donc très honnêtement, je ne pouvais pas nous traiter tout le temps de non-fair-play. C'est-à-dire quand même, nous donnons une place à un représentant de l'opposition, dont si je me réfère au score réalisé, comme je sais que vous aimez bien vous référer au score réalisé, quand même, de notre part, une démarche qui est quand même une démarche tout à fait respectueuse de l'opposition, parce que ça va même au-delà de la représentativité. Au lieu de nous remercier, vous dites que c'est pas bien. Vous auriez pu avoir l'élégance de proposer cette place au groupe d'opposition, charge, nous sommes des adultes, nous entendons entre nous pour désigner. Oui, mais monsieur Moukine, je me permets quand même de vous dire que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas de quel côté on se place, vous parlez de groupe d'opposition. Pour pouvoir faire un groupe d'opposition, il faut avoir suffisamment d'élus pour cela. Or, je rappelle que le seuil à partir duquel on peut faire un groupe, c'est 5 membres. Alors, comme vous êtes moins que 5, il faut bien trouver une solution. Bon, si je vous avais choisi, vous, ou tel autre, M. Savret aurait dit, et pourquoi pas moi ? Bon, quelque part, c'est pas absurde de répartir un tout petit peu les choses, essayer de vous entendre un peu entre vous au lieu de vous crêper le chignon. C'est quand même, vous n'êtes déjà pas très nombreux. S'il faut qu'en plus on assiste à vos divisions, on s'en passerait. Donc je propose à M. Savret, on ne peut pas dire qu'il soit de la même famille politique que moi, je le propose. Je trouve que ce n'est pas stupide que M. Savret, qui a défendu une liste, alors certes, ce n'est pas la vôtre, enfin, ce n'est pas grave, il y a droit, que je puisse quand même lui proposer de l'aide sans que votre prise de parole soit pour dire que c'est de notre faute et qu'on n'est pas fair-play. Enfin, je sais pas, il y a un moment où... Donc, pour vous montrer mon esprit fair-play, nous voterons heureusement pour cette liste. Bah, c'est la moindre des choses, quand même. Bon, allez, on passe au vote. Alors, on y va. Donc, Non, comment ça se passe? Vous faites le tour? D'accord, allez, on y va. Hop.
et nos scrutatrices. Merci beaucoup. Alors, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 45. Nombre de bulletins nul ou blanc 1. Nombre de suffrages exprimés 44. Majorité absolue 23. A obtenu donc la liste unique, donc la liste A, a obtenu 44 voix. Voilà. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à l'adoption. Attendez, que je, pardon, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Nous passons donc maintenant à l'adoption du règlement intérieur du Conseil municipal, comme le prévoit naturellement, là encore, le Code général des communes. Dans les communes de 1000 habitants et plus, le Conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois suivant son installation, avec bien sûr les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les règles de présentation et d'examen, ainsi que la fréquence des questions orales, le droit d'expression des conseillers municipaux. Et les membres du conseil municipal sont appelés à se prononcer sur le règlement intérieur qui ne connaît pas de modification majeure, à l'exception de celle demandée par le législateur, parce que régulièrement, il y a des choses qui peuvent être amenées à évoluer. Monsieur Bouquine.
Merci, monsieur le maire, chers collègues. Justement, nous avons noté quelques modifications. Nous avons comparé le règlement que vous nous présentez ce soir au règlement existant lors de la précédente assemblée, qui est adopté le 4 avril 2014 et qui était sensiblement le même depuis 25 ans. Donc, il y a quelques modifications qui sont liées, bien sûr, à des modifications de réglementation. Par contre, donc, on va arriver tout de suite à notre préoccupation. Article 22, page 9. Donc, il y a là deux modifications majeures. La première, dans le précédent règlement, il y avait donc un paragraphe complet qui a disparu concernant ce qu'on appelle la conférence des présidents. Donc, le maire réunit avant un conseil les représentants de chaque groupe, de façon donc à discuter du déroulement du conseil et des différentes interventions. Ça a totalement disparu. Et également, donc, dans cet article 22, jusqu'ici, donc, le temps d'intervention, donc, depuis 25 ans, donné à l'orateur que je suis, que chacun d'entre vous peut être, était de 10 minutes. Et donc, il est passé à 5 minutes. Donc, voulez-vous nous priver de parole ? Vous nous avez déjà rayé du trombinoscope de la mairie, où j'espère nous allons figurer. Vous tentez de couper la tête de Madame Valentine Rousseau, ma numéro 2. Et là, donc, vous essayez de nous museler. Cela n'a aucun sens. Cela est totalement inexplicable. Que je dispose de 5 minutes de parole ou de 10 minutes, ça ne va pas changer la face du monde. Mes temps de parole, vous pouvez les chronométrer, je les chronométrerai si nécessaire, ils n'excèdent pas une ou deux minutes. Et dernier point, concernant ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la constitution de groupe, donc dans l'article blabla à la fin, donc le nombre de conseillers pour constituer un groupe est resté à 5, nous souhaiterions qu'il soit, si c'est possible, descendu à 3. Alors, je vais répondre à tout ça. Donc, plusieurs choses. D'abord, il faut... Oui, vous voulez, bah, allez-y, monsieur Savré. Allez-y, puis je répondrai à tout. Allez-y. Alors, concernant le temps de parole, je rejoins monsieur Moukinan Portier. On ne se prête pas le chignon, je vous rassure. Pas encore, en tout cas. Ça sera difficile avec moi, Gilles. Hein, bon. Oui, moi aussi. Oui, je pense que 10 minutes, c'est une exception, par principe. Effectivement, il y a des interventions sur des sujets qui peuvent être amenés les conseillers municipaux, en tout cas, qui me concernent, peut-être à arriver jusqu'à 10 minutes. J'allais fournir. Je pense que 5 minutes, c'est quand même... Je peux comprendre qu'au conseil communautaire, ça soit réduit à 5 minutes, parce qu'on est 78. Là, on est à peu près la moitié moins, donc on pourrait très bien ramener le ratio à 10 minutes. Je pense qu'on resterait à peu près dans les mêmes... Alors, le sujet de l'intervention, sur les durées d'intervention dans le règlement intérieur. Ensuite, en ce qui concerne... l'article 32 sur le prêt d'un local, moi je ferai la demande de pouvoir en disposer d'un indépendamment de celui. Il est écrit dans le règlement intérieur que c'est un local commun. Voilà. Alors, voilà. Ok. Il y avait d'autres points ? Non, après, on peut aussi. Je dirais que dans l'article 33, on réserve une demi-page pour l'expression dans le journal pour les groupes d'opposition. Je ferai remarquer qu'il y a des communes où il n'y a pas de différence entre la majorité et les autres groupes dans l'étendue de domaine d'expression dans le journal municipal. Voilà. Voilà, c'est pareil. Vous avez c'est une demi-page aussi ? Ah oui, oui. D'accord. Okay. Ah non, mais nous, on est très, très rigoureux. Hein. Pas de sectarisme. Donc moi, alors là, je suis intransigeant là-dessus. Et quand les gens du groupe Mots pour tous, et pourtant c'est ma famille politique, demandent plus, je leur dis, il n'en est pas question, pas une ligne de plus que l'opposition. Marqué, il y a toutes les autres pages avant quand même.
Écoutez, d'accord, mais vous m'avez pas parlé des autres pages avant, vous me parlez de ça. Donc, vous savez, c'est une expression politique. Oui, oui, absolument. Bon, absolument. Bah, écoutez, je pourrais très bien ne pas le faire. Donc, je suis hyper vigilant à ce qu'il y ait une demi-page pour chaque opposition. Donc, vous voyez, c'est là-dessus. Et en plus, comme vous n'êtes pas assez nombreux pour constituer un groupe, je pourrais ne pas le faire et je veux le faire pour vous permettre de le faire. Et je ne vous demande même pas de dire du bien de moi dans la demi-page. Vous voyez, c'est quand même sympa, hein. Non, on le fera peut-être, hein. Alors, écoutez, ça, honnêtement, ça me touche. C'est une intention qui me touche. Et dans ce monde cruel, c'est ça. Et ben voilà. Alors, je vais répondre donc à tous ces points. Bon, d'abord, vous avez déjà fait une remarque là-dessus. C'est pour ça, bon, je ne peux pas répondre à chaque fois parce que c'est un flot, hein. Mais cette histoire de couper la tête, coupe la tête à personne. Je voudrais rappeler juste un petit détail de Moukine que vous allez comprendre. Nous sommes, c'est bête à dire, hein, mais nous sommes dans un état de droit. Alors, je sais bien que la grande mode en ce moment, c'est de contester l'état de droit. Vous savez, c'est le ministre intérieur, là, il a dit ben, les émotions, quand elles sont trop fortes, ben, c'est plus la peine d'appliquer la loi. Bon, c'est une conception ben, intéressante. Un jour ou l'autre, il faudra quand même remettre de l'ordre. Mais voilà. Donc, c'est la nouvelle mode maintenant. Le droit, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on soit gentil, méchant. Alors, selon les cas, selon le camp dans lequel vous êtes, M. Moukine, on est gentil ou méchant. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Donc, il y a une chose toute bête qui s'appelle le respect de la règle de droit. Voilà. Donc, pour être éligible, il y a des règles à respecter. Un doute existe. Il était demandé au juge, en équité, de lever ce doute. Il lui appartient de le faire. Il va le faire en toute sérénité. Moi, je ne commenterai pas une enquête en cours concernant votre colistière. Alors, vous le faites à chaque fois, c'est votre droit, mais encore une fois, c'est, si le problème se pose, c'est parce que le doute existe. Voilà. S'il n'y avait aucun doute, d'aucune sorte, il n'y aurait pas de sujet. Mais comme il y a un doute, il est normal de lever le doute. Et d'ailleurs, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ça vous met dans un état pareil. Moi, je serais vous, je m'en réjouirais. Parce que c'est important aussi pour vous d'être assuré que vos colistiers, comme d'ailleurs tous les autres colistiers, respecte la règle de droit. Ça s'appelle la règle de droit. Il n'y a pas de drame à ça. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine à chaque fois de faire des allusions. Ça n'a rien de personnel. C'est juste, on respecte la loi. Voilà. Point. Bon. Deuxième sujet. Je ne partage pas votre trait d'humour. Ah, mais ça, vous avez tout à fait le droit de ne pas trouver. Non, mais je termine. Vous avez tout à fait le droit d'avoir un autre avis, de considérer que ce n'est pas grave la règle de droit, c'est votre droit. Mais moi, encore une fois, on est en République, hein, on n'est pas en anarchie, on n'est pas, chacun choisit ce qu'il veut. Et donc, voilà, et je n'ai aucun autre commentaire à faire pour une raison simple, c'est une enquête judiciaire en cours, il appartiendra au juge de décider en tant que juge, magistrat, ce qui doit être fait. Point numéro un. Point numéro deux, sur le temps de parole. J'ai un problème que je veux volontiers partager avec vous, qui est le suivant. Il se trouve, j'en suis désolé pour vous, mais c'est ainsi, que les Meldois et les Meldoises m'ont élu, et avec moi l'ensemble de ma liste, avec un score extraordinairement élevé. Je ne vais pas m'en plaindre. Alors, je sais que vous avez réussi à faire une démonstration absolument abracadabrantesque pour expliquer que 75% des Meldois ont voté contre moi. Donc, je me suis dit, mais alors, est-ce qu'il a fait le calcul pour lui, pour M. Moukine? Parce qu'alors, vous, ça veut dire que vous êtes en négative, vous, carrément. Bon, non, alors, je pense que je représente 75% de ces Meldois qui n'ont pas voté. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est vraiment, ils sont presque à égalité. Mais non, vous êtes mieux que moi. Vous avez fait un meilleur score que moi. 76,5, 75. Et d'ailleurs, je suis vraiment désolé d'être à la place à laquelle je me trouve, parce que c'était tellement plus légitime que ce soit vous. Mais enfin bon, c'est ainsi, c'est la vie. Bien, alors, ayant dit cela, ça pose un petit problème. C'est que vous n'avez pas assez d'élus en application de la loi, là encore, pour pouvoir constituer un groupe. Bon. Et comme on ne peut pas non plus faire de la démocratie à la petite semaine et changer les règles dans tous les sens, qu'est-ce que j'ai fait, M. Moukine? Non mais, qu'est-ce que j'ai fait si j'avais appliqué la règle précédente? Vous vous seriez trouvé dans une situation à ce que vous ne pouviez pas prendre la parole en un temps suffisant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, ça veut dire que, puisque quand il y a des groupes, c'est 10 minutes par groupe. Donc, forcément, vous êtes frustré. Là, qu'est-ce que j'ai fait? En mettant 5 minutes par membre, ça permet à chacun des élus d'opposition, d'ailleurs de la majorité s'il le souhaite, de prendre la parole. Donc, en réalité, c'est un plus.
Deuxième élément, M. Moukine, pour que les choses soient tout à fait claires, ça fait, je ne sais plus combien, 40 ou 50 ans que vous, vous suivez le conseil municipal. Vous avez dit ça la dernière fois. 35 ans, on exagère. 60, je ne sais plus. Bref. Du coup, moi, mon point, il est très simple, Monsieur Moukine, là encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est évident que, comme je l'ai toujours fait, si des sujets méritent que l'on y passe plus de temps, et je vous le dis également, Monsieur Savret, que ce qui est prévu dans le règlement, ben, vous pensez bien que je ne vais pas interrompre le débat. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Il y a des villes, souvent communistes d'ailleurs, dans lesquelles, non mais vous n'y êtes pour rien, vous n'y êtes pas, mais c'est pour dire, on connaît bien, qui sont alors d'un terrorisme. Mon prédécesseur, Jean-François Parigi, me le raconte souvent, était d'une brutalité, voilà, qui faisait qu'on coupait la parole, on coupait le micro. Je ne l'ai jamais fait. Bon, sauf si à des moments où ça devient de l'opposition, de l'obstruction un peu... Voilà, de temps en temps, on a vu ça dans le dernier conseil municipal, il y avait parfois un peu l'extrême droite qui partait un peu dans tous les sens. Bon, alors parfois, gentiment, poliment, on canalise un peu. Bon, mais je n'ai jamais interdit le débat. Et même si vous souhaitez reprendre la parole à la suite de ce que tel ou tel peut dire, je serai, mais comme j'ai toujours été d'ailleurs. Pourquoi? Parce que le conseil municipal doit rester un lieu de débat. La seule limite que j'y mets, en fait, elle porte sur deux points. Premier point, je ne veux pas, par respect pour la démocratie, par respect pour nos concitoyens, qu'on subisse des débats d'obstruction caricaturale. Ça n'est jamais arrivé, je ne vous prête pas d'ailleurs du tout de procès d'intention. Enfin, j'ai connu à l'Assemblée des périodes et des députés qui arrivent avec 150 000 amendements, tous plus bêtes les uns que les autres, pour faire durer les débats jusqu'à 4 heures du matin. Je trouve ça grotesque, j'ai toujours trouvé ça grotesque, je n'y ai d'ailleurs moi-même, quand j'étais parlementaire, jamais participé, je trouvais ça ridicule. Bon, donc, je dis juste que dans le cadre du conseil municipal, pas d'obstruction. Bon, deuxièmement, un conseil municipal n'est pas une réunion de commission technique. Donc, ça doit être un lieu de débat politique. Ça veut dire que les commissions techniques, celles pour lesquelles nous avons procédé à un vote tout à l'heure, doivent servir à aborder les questions techniques, finances, urbanisme, jeunesse et sport, affaires scolaires, petite enfance. Les commissions techniques servent à ça. On aborde les sujets des délibérations, toutes, et on les traite là. Et on réserve pour le conseil municipal les débats politiques au sens noble du terme. Voilà, ces deux réserves de bon sens que je crois que tout le monde pourra comprendre. Et pour le reste, le temps de parole, croyez-moi, je n'ai jamais coupé le micro de personne. Jamais. Je vous dis, sauf cas de cette nature. Donc soyez tout à fait rassurés les uns et les autres, il y aura du temps de parole pour chacun d'entre vous, autant que vous le souhaiterez, pour que le débat permette d'éclairer l'Assemblée. Voilà. Je vous remercie, nous voterons contre. Eh bien, voilà. Oui, Bernard Le Cicero. Alors, pardon, parce qu'évidemment, on n'a malheureusement pas de micro individuel. Oui, pour tout le monde. Et puis, pour être tout à fait complet par rapport à l'intervention de M. Moukine, s'il ne figure pas sur la lettre du trombinoscope adressée au Meldois, nous avons adressé ce courrier sur l'équipe municipale de Mots pour tous. Donc l'équipe majoritaire, même si M. Moukine, dans ses calculs les plus fous, puisse imaginer à un moment donné qu'il soit dans la majorité. Et donc, il ne fait pas partie de cette majorité. Et s'il est attentif à la vie meldoise, en allant sur le site de notre municipalité, il verra qu'il figure en bonne place comme élu de l'opposition. Mais il le sait. Mais bon, après, ça s'appelle les propos de tribune. C'est pas grave, hein, c'est vendu avec. Hein. Mais il y revient trop souvent, je pense. C'est vrai, c'est pour ça que c'était bien que tu rappelles la vérité. Bien, alors, j'ai noté que M. Moukine votait contre. M. Savret, Ah, pardon, excusez-moi. Alors, écoutez, sur la question du local, il faut qu'on regarde. Je n'ai pas de réponse, je vous dirai. Il y a un petit problème pratique de moyens à louer, mais il faut que je regarde ce qu'on peut faire. Ça ne me choque pas sur le principe, mais après, il y a des problèmes pratiques. Donc, voilà. D'autres votent contre ? C'est adopté. Alors, nous allons maintenant aborder 4 délibérations, 5, 6, 7 et 8, pour lesquelles je vous précise qu'Emmanuel Vielpeau ne prendra pas part au vote, au regard du fait que son époux est notaire, enfin son cabinet, son office notarial traite de ces questions, et donc comme nous l'avons fait également dans le précédent mandat, nous sommes évidemment très soucieux de veiller au respect de la réglementation.
Alors, délibération numéro 5, cession de l'emprise correspondant au passage Chapon à la SAS Abium. Pascal Emery. Monsieur le maire, bonsoir. On m'entend, c'est bon ? Parfait. C'est assez impressionnant. Donc, le point numéro 5 concerne la cession d'une emprise à l'entreprise Abium. Dans le cadre d'un projet de rénovation d'un immeuble au 43 rue Cornillon, la société Abium a demandé à la ville de Meaux d'acquérir le passage piéton Chapion surplombé par l'édit immeuble afin de l'intégrer à son projet. Ce passage non cadastré d'environ 85 mètres carrés était fermé pour des raisons de sécurité. Une liaison piétonne sécurisée s'effectue en parallèlement par le passage Thibault de Champagne. Par délibération du conseil municipal du 27 septembre 2019, l'édit de passage a fait l'objet d'une désinfection et d'un déclassement du domaine public communal. Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur la vente, à la société Albium, excusez-moi, de l'emprise d'environ 85 mètres carrés au prix de 2 000 euros, avec prise en charge de l'ensemble des frais de la vente par la société et d'autoriser le maire à signer tout acte à intervenir dans ce cadre. Je précise que l'avis des services du domaine rendu le 19 décembre 2019 est conforme à ce prix. Merci Pascal. Pas d'opposition ? Demande de parole, M. Moukine. Oui, merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, nous voterons pour cette délibération. Moi qui suis passionné d'histoire, c'est toujours un regret de voir disparaître un élément du patrimoine local, aussi insignifiant soit-il, surtout dans un quartier qui a beaucoup souffert, et c'est une longue responsabilité, d'une urbanisation excessive et mal maîtrisée. Je voulais simplement attirer votre attention et l'attention des conseillers des services qui sont en charge de ces dossiers sur le site qui est limitrophe donc de ce passage, donc l'ancien site des garages Midas, où un nouveau projet est en cours. Donc c'est un site archéologique majeur, puisqu'en fait c'est l'ancien site de l'église Saint-Saintin. Pour ceux qui... Saint-Saintin est tombé dans l'oubli, mais c'était donc le premier évêque de Meaux, et donc c'était la première église de Meaux, et donc nous avons là un site carolingien, mérovingien, très exceptionnellement, exceptionnellement riche. Je vous remercie. Comme vous le savez, tout ça est totalement géré en partenariat avec l'architecte des bâtiments de France et le ministère de la Culture pour ce qui concerne la gestion des sites archéologiques. Et naturellement, nous sommes très, très rigoureux là-dessus, puisque vous savez que j'ai inscrit l'approche de politique publique de notre ville dans le respect de notre histoire et dans l'attention à notre patrimoine culturel, qui est évidemment pour moi quelque chose d'absolument majeur. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Le point numéro 6, c'est un point de délibération dont le sujet peut paraître modeste, mais en vérité, il est majeur, puisque c'est une cession de parcelle qui est située à la prairie des Cordeliers, qui donne une délibération modificative, mais qui concerne le projet de reconstruction de l'hôpital. Et ça, c'est majeur. Je veux vraiment rappeler là-dessus que nous avons fait, je l'ai dit dans mon discours d'installation, là, il y a quelques semaines, de la santé une priorité absolue. Cela passe par la reconstruction de l'hôpital de Meaux, pour lequel des moyens considérables ont pu être mobilisés grâce au travail que nous avons accompli avec Christian Allard et mes collègues du groupement hospitalier auprès de l'ARS. Et ce travail a permis d'avoir les autorisations, parce que le projet était de qualité, pour la mise en œuvre de ce chantier. C'est une enveloppe de 170 millions d'euros, c'est considérable. Et je rappelle qu'avec ça, nous allons construire un bâtiment neuf à l'est du pôle mère-enfant sur les activités médico-techniques, la restructuration du bâtiment B, la conservation du bâtiment C, l'abandon du bâtiment A, la création d'un parking de 900 places, et en vérité, une rénovation complète de l'hôpital, avec évidemment l'apport aussi de matériel très moderne, notamment, vous le savez, depuis le début de l'année, un robot chirurgical absolument exceptionnel. Voilà. Je vais demander à Arthur Georges Bras de nous présenter brièvement le contenu de cette délibération. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Donc, c'est une délibération technique qui va porter sur une modification d'une délibération que le conseil municipal a déjà adoptée le 30 novembre 2019. En gros, la ville de Meaux cède au GEF, donc dans le cadre d'une vente amiable,
en l'absence de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, donc il n'y a pas nécessité d'envisager une indemnité de remploi comme cela avait été évoqué dans la délibération de novembre 2019. En conséquence, il est demandé aux membres du conseil municipal de modifier la délibération du 30 novembre 2019 en ce qu'elle ne mentionne une indemnité de remploi versée à l'issue de la vente. Je vous remercie. Pas d'opposition. Monsieur Mouki. Je vous remercie, cher, monsieur le maire, chers collègues. Donc, bien sûr, nous voterons pour cette délibération, comme vous l'avez souligné. C'est un projet majeur attendu par les habitants de Meaux et du pays meldois et du Nord-Seine-et-Marne depuis trop longtemps. C'est toujours triste de voir disparaître des espaces verts, même si ce sont des espaces un petit peu désorganisés. Donc, je voulais savoir s'il était envisagé une compensation, c'est-à-dire si, donc en remplacement de ces espaces qui sont des espaces verts, on allait donc réserver d'autres espaces dans un futur proche ou lointain, dans d'autres quartiers qui sont amenés à être réaménagés. Deuxième question, s'agit du problème de la desserte de l'hôpital, de l'enclavement de ce quartier. Il a été fait un choix par l'ARS, hein, ce n'est pas le fait du maire de Meaux, donc de maintenir l'hôpital sur site. Moi, je le regrette. J'ai toujours pensé, comme un certain nombre d'ailleurs des élus, hein, qu'il aurait été préférable, comme l'ont fait Lagny, comme l'a fait Melun dernièrement, de reconstruire l'hôpital en dehors de la ville, sur le site d'Orgemont, où l'hôpital disposait de réserves foncières intéressantes. Donc, ce n'est pas le choix qui a été fait par l'ARS. Il faut faire avec désormais. Donc, je voudrais savoir quelles sont les mesures qui sont envisagées dans le cadre de ce projet pour permettre une meilleure desserte de l'hôpital. Est-ce que le fameux pont qui enjambe le canal et qui est donc en attente depuis 1976 sera utilisé, comme cela avait été évoqué à un moment, pour desservir ne serait-ce que l'hôpital? Je vous remercie. Arthur Georges-Bras. Monsieur Mouquine, je vous ferai la même réponse que celle que j'ai faite lors de la commission Habitat et Urbanisme que nous avons tenue cette semaine, commission informelle, hein, puisque les commissions n'étaient pas installées officiellement. Bien évidemment, ces éléments sont intégrés, mais aujourd'hui, il est trop tôt, hein, pour indiquer comment s'opérera la desserte de l'hôpital. Elle est bien évidemment souhaitée du côté du GEF, elle est souhaitée du côté de la ville. Les réflexions sont en cours et bien évidemment, les équipes, les différents architectes qui ont travaillé et l'architecte qui sera retenu a bien intégré cette réflexion dans le cadre de la restructuration de l'hôpital. Ensuite, en ce qui concerne les espaces de végétalisation, si le directeur général du GEF choisit le projet que le jury lui propose, c'est un projet qui intègre un certain nombre d'espaces végétalisés et clairement on aura un bel hôpital, mais surtout aussi tout un environnement autour qui sera quand même de grande qualité, à la fois pour l'hôpital, mais également pour le reste du quartier. Je vous remercie. Oui, je dois dire que le projet vraiment va permettre une qualité de vie exceptionnelle, aussi bien pour les personnels soignants que pour les patients et les habitants. Donc c'est un projet très ambitieux et dont nous sommes très heureux qu'il ait pu être tenu. Monsieur Savray ? Oui, moi on se félicite bien sûr du renouvellement de l'hôpital public. Par contre, j'aurais une question concernant le parking. Est-ce qu'il va rester gratuit? Parce que je rappelle que celui de Jossigny est payant, ce qui est quand même pour le moins pas normal quand on va se faire soigner, quand on va rendre visite à des proches, payer pour aller à l'hôpital, c'est quand même bon. Donc j'espère que ça restera. Non, c'est une emprise de l'hôpital. Hein. D'accord. Non, mais je préfère m'assurer par avance. Ouais. Je rappelle juste à l'un et à l'autre, d'ailleurs, hein, par rapport aux interventions, c'est un dossier qui est communautaire. Hein. Oui, bien sûr. Ne perdez pas de vue que c'est quelque chose que je suis en tant que président de la communauté d'agglomération. Il se trouve que là, c'est une décision municipale, c'est une emprise. Hein, mais, bien sûr. Voilà. OK. Alors, nous adoptons. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Le point numéro 7. Rétrocession des voies et espaces communs au profit de la ville de Meaux. Ajout de la parcelle BW462, Pascal Emery. Donc, par délibération du 13 juin 2019, l'avis du conseil municipal a notamment autorisé la rétrocession à l'euro symbolique des parcelles cadastrées section BW72, 460, 461, 463, 465, 467, 527 et 529. Voies et espaces communs réalisés par la société SCCV Le Clos Saint-Fabre, au domaine public communal. Or,
Le plan de division comprend également la parcelle cadastrée section BW462 d'environ 19 mètres carrés dont fait l'état la convention de rétrocession. La valeur vénale de ces emprises étant inférieure à 180 000 euros, l'avis des domaines n'est pas requis. Afin que la rétrocession des voies et espaces communs soit complète, il est demandé aux membres du conseil municipal de modifier la délibération du 13 juin 2019 en y ajoutant la parcelle cadastrée section BW numéro 462. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Temps de parole. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc nous voterons pour, bien sûr. La photo qui est jointe en annexe, bien sûr, ne correspond pas du tout à la situation actuelle. Depuis cette photo, donc, il a été construit dans ce quartier historique, puisque c'est le quartier Saint-Faron, sur un site historique entouré de maisons bourgeoises, deux immeubles que je qualifierais de très moches. Au centre de cette place, donc, qui est rétrocédée, je m'en réjouis donc, à la ville, c'est une place qui est en fait un vaste parking, ont été plantés par le promoteur 8 malheureux arbres à la sauvette, dont 4 sont carbonisé. Donc je compte sur vous, monsieur Copé, puisque vous êtes devenu un amoureux des arbres comme moi, pour faire en sorte qu'à la Sainte-Catherine, il en soit replanté de vrai, en pleine forme. Je vous remercie. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Point numéro 8, cession de parcelles concernant les tours Alsace-Albret-Anjou. Arthur Georges Bras. Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain de Beauval-Hameau, Pays-de-Mau Habitat souhaite acquérir les parcelles composées de voiries, d'espaces verts et de parkings à la limite des tours Alsace, Albret et Anjou, appartenant à la ville de Meaux d'une superficie totale de 30 069 m². Pour rappel, Pays-de-Mau Habitat est juste propriétaire des immeubles et de ce que l'on appelle le tour d'échelle, donc un mètre autour de ces différents immeubles. Par délibération du 27 septembre 2019, le conseil municipal a approuvé la désaffection et le déclassement des emprises du domaine public. L'avis du service des domaines en date du 8 novembre 2019 a estimé la valeur vénale des emprises à 60 euros du mètre carré. Cependant, en commun accord avec la DDFIP, il a été décidé de rester sur le prix qui était établi dans le cadre de la convention, qui avait été signée à l'époque en 2014, à hauteur de 15 euros du mètre carré. Cela représente, vu les différentes surfaces, une somme de 451 035 euros pour cette opération. Pays-de-Mau Habitat conservera à sa charge, bien évidemment, l'ensemble des frais résultant de cette cession, aussi bien les frais de géomètre et de notaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur la vente à Pays-de-Mau Habitat par la ville de Meaux des emprises suvisées d'environ 30 069 m² au prix de 15 euros du mètre carré et d'autoriser le maire à signer tout acte et à intervenir dans ce cadre. Je pense qu'en toute logique, en tant que président de la SEM Pays-de-Mau Habitat, je ne prends pas part au vote à cette délibération. C'est bien noté. Je voudrais ajouter à cela deux remarques. La première, comme vous le savez, ça s'inscrit dans la politique volontariste que nous avons engagée et qui porte ses fruits au fil du temps et qui a été très largement saluée par les Meldoises et les Meldois, si j'en crois le résultat des élections municipales dans laquelle la dimension de rénovation urbaine était majeure. Vous savez que par rapport à cela, le quartier A est pour nous évidemment un élément de priorité majeure compte tenu de la situation et donc la démolition des tours Alsace et Anjou, qui interviendra début 2021, un petit retard à cause de la crise sanitaire, est évidemment un rendez-vous extrêmement important, qui sera ensuite suivi en 2023 de Camargue-Chambord, en 25 d'Aquitaine et Argonne, et ce sera évidemment pour nous un élément très très important de pouvoir dire que dans l'accomplissement de notre travail au service des Meldoises et des Meldois, nous aurons rénové en profondeur les quartiers de Beauval et de l'ex-Pierre Collinet devenu Dunan. C'est un point majeur qui a été soumis au vote des Meldoises et des Meldois et qui a été très largement approuvé à travers les élections municipales. Ma deuxième remarque a trait à la question de la sécurité. Vous le savez, je l'ai dit lors de mon discours d'installation, je serai extrêmement engagé sur les questions de sécurité. Et nous avons observé ces dernières semaines ou ces derniers mois des actions inacceptables de voyous violents qui s'en prennent aux forces de police municipale et nationale, qui s'en prennent aux habitants. Je veux redire ici que nous serons d'une fermeté totale. Il y a encore très peu de temps, des exactions et des comportements d'une violence extrême. Je veux rappeler que sur ce point, nous serons d'une très grande détermination, saluer l'héroïsme des forces de police
dans des conditions extraordinairement difficiles et qui font preuve d'un sang-froid et d'un professionnalisme remarquable. Lorsque j'entends au niveau national un certain nombre de déclarations, je veux rappeler que nous avons une police républicaine qui assume des responsabilités très difficiles et qui a besoin du soutien total de l'autorité politique. Il n'a jamais été écrit nulle part qu'en démocratie, on pouvait faire tout et n'importe quoi. Au contraire, c'est la meilleure manière de la préserver. Sinon, on bascule vite dans la dictature. Et donc, sur ce point, je veux redire que notre détermination à préserver la sécurité à Meaux dans tous les quartiers, y compris dans les tours, où restent encore des situations difficiles, notre détermination est totale et qu'on ne lâchera à rien. Jamais à rien. Je m'en suis d'ailleurs entretenu il y a encore quelques jours, lors du Conseil de sécurité que nous tenons très régulièrement, avec le commissaire de police nationale, et le directeur de la police municipale et le procureur de la République. On passe au vote. Monsieur Moukine. Merci. Je partage votre détermination, monsieur le maire, sur ces questions de sécurité. Vous pouvez être assuré de notre soutien. Je m'associe également à vous pour saluer le travail remarquable qui est fait par les forces de police, que ce soit la police nationale ou la police municipale, qui est décriée actuellement à travers certains médias ou certains réseaux sociaux. C'est tout à fait inadmissible. Nous sommes également donc bien sûr favorables à la destruction de ces tours qui sont devenues totalement invivables. Et nous nous félicitons du travail qui a été accompli par votre équipe avec l'ensemble des services de la ville, les services régionaux, départementaux, les services de l'État, et donc pour la restructuration, la rénovation de ces grands quartiers, qui est une réussite, nul ne le conteste. Je voulais simplement faire remarquer, et c'est quelque chose que l'on a largement entendu, autant tout le monde s'accorde à reconnaître que les premiers bâtiments qui ont été construits autour de Chenonceau donc sont d'une excellente qualité esthétique et architecturale, autant on remarque que les derniers construits sont parfois trop bon. J'ai l'impression qu'il y a un autre choix qui a été fait et je suis plus dubitatif. Enfin un autre choix architectural. Donc je souhaiterais que sur les futurs projets, dans les années à venir, on revienne sur ce qui fait l'unanimité. Je vous remercie. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Point numéro 9, délégation donnée au maire pour saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux, Emmanuel Vielpeau. Monsieur le maire, chers collègues, par délégation, le maire tu pendant la durée du micro. Pardon, excuse-moi. Monsieur le maire, chers collègues, par délégation, le maire pendant la durée de son mandat pourra saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux pour tout projet de délégation de services publics, de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, de projet de participation de services de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement et de partenariat. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Jean-François Copé, maire, à saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux. Pas d'opposition, pas d'abstention. Si vous voulez bien, nous pourrions associer les délibérations 9 et 10 hein, qui traitent du même sujet. Nous voterons pour pour ces deux délibérations, puisque nous disposons d'un représentant, la personne de Gilles Salvray, au sein de cette commission. Oui. Monsieur Moukine souhaite qu'on vote pour les délibérations 9 et 10. Enfin, je ne sais pas qui même. Non, mais ce n'est pas grave. Donc je comprends que c'est une prise de parole pour les deux sujets. Tout à fait. Oui, ben voilà. Donc, on va passer au vote. Pour la délibération numéro 9. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Même vote pour la 10. C'est adopté. Alors, nous passons maintenant à l'élection des membres de la commission de délégation de services publics. Il est nécessaire d'élire les membres de cette commission, composée de 5 membres titulaires issus du conseil municipal au scrutin de liste, suivant le système de représentation proportionnelle. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection des suppléants, nombre égal à celui des titulaires. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à élire les membres de la commission. Les membres de la commission de délégation de services publics. Voilà, nous y sommes. Alors, il est proposé, compte tenu de son caractère statutaire, et incluant d'ailleurs l'opposition, de ne pas procéder au scrutin secret, si tout le monde en est d'accord, ce qui nous fait un gain de temps. Nous en sommes d'accord. Formidable. Monsieur Savray, vous êtes d'accord aussi ? Bon. Alors, nous avons donc titulaires Arthur Georges Bras, Emmanuel Vielpeau, Amandine de Kessling, Pascal Emery, André Moukine, et pour les suppléants, M. Jean-Marie Guéraud, M. Fernando Rodriguez, M. Alain Bourgeois,
Madame Sally Diop et Monsieur Gilles Savret. Pas d'opposition, c'est adopté. Élection des membres de la commission d'appel d'offres. Là, il est nécessaire d'élire les membres de cette commission, qui est composée de 5 membres, titulaires, issus du conseil municipal. Là aussi, représentation proportionnelle. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. Il est demandé au conseil d'autoriser le maire à élire les membres. Et pareil, nous devons là aussi procéder au vote. Un peu la même méthode, c'est-à-dire qu'il y a des membres de l'opposition qui y siègent. Je signale d'ailleurs que je n'y siège pas, que je n'y ai jamais siégé, que je n'ai jamais eu l'intention d'y siéger, parce que je crois que c'est très important que les élus en charge, majorité opposition, puissent délibérer et proposer au maire les solutions que d'ailleurs j'ai toujours retenues en vertu du principe selon lequel c'est à cette commission qu'il revient de veiller à la règle de, au respect de la règle de droit. Alors, nous avons donc en titulaire Jean-Marie Guéraud, Alain Bourgeois, Emmanuel Vielpeau, Christian Pastor, André Mouquine. En suppléant, Sébastien Malkic, Marie-France Mahoucou, Laetitia Blais, Julien Loup, Leloup pardon, et Gilles Savret. Et je vous propose que nous ne recourions pas au vote à bulletin secret, si vous en êtes d'accord. Monsieur Savret ? Très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Alors, le règlement intérieur de cette commission, maintenant, ainsi que de la commission de délégation de services publics, Bruno Delost. Il faut parler près du micro. On nous propose d'adopter un règlement intérieur pour ces deux instances, pour une raison bien simple, c'est que le code des marchés publics ne prévoit aucune disposition pour encadrer la gestion juridique et administrative de ces deux commissions. En gros, il s'agit de regarder la composition et le rôle de chacun des membres de ces commissions, de répertorier les compétences obligatoires et facultatives de chacune de ces deux instances et d'ériger des règles de fonctionnement de ces deux commissions. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Nous passons maintenant à l'approbation des comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes de la ville pour 2019. Emmanuel Vielpeau. Merci. Les comptes administratifs 2019 du budget principal de la ville et des budgets annexes eau, assainissement, théâtre Luxembourg, stationnement payant et ZAC Montabor 2 présentés par le maire sont en concordance avec les comptes de gestion du comptable des finances publiques qui n'appellent aucune observation ni réserve. Les membres du conseil municipal sont appelés à approuver les comptes de gestion 2019 du budget principal de la ville et des budgets annexes. Merci. Monsieur Mouquine. Oui, n'ayant pas voté le budget en 2019, nous abstiendrons. Merci. Merci. Monsieur Savret. Oui, c'est logique. Pas d'opposition, pas d'abstention, autre que celle que nous venons de relever. C'est adopté. Alors, budget principal, compte administratif. Bah, écoutez, là, on vote les comptes administratifs 2019. Je rappelle que l'objectif du compte administratif, c'est de constater la réalité des dépenses. Vous avez le budget primitif qui présente la prospection, ce que l'on s'engage à faire. Et puis le compte administratif, c'est un peu comme le bulletin de notes, ça mesure ce qu'il en est de la réalité des choses. Sur ce point, et avant de laisser la parole à Bruno Delos, je voudrais quand même souligner les très bons résultats de l'exercice 2019. Et si je le fais, ce n'est pas du tout pour je ne sais quelle gloriole, mais c'est parce que la marque de fabrique de Mots pour tous, vous le savez, c'est la gestion rigoureuse des finances meldoises. On n'a jamais augmenté les impôts, on les a même beaucoup baissés pendant de nombreuses années, et on a toujours veillé aux équilibres budgétaires, et notamment à cet indicateur que je rappelle à chaque fois parce qu'il est clé, qui est celui de l'épargne nette, c'est-à-dire le solde de la section de fonctionnement auquel on déduit le remboursement du capital de la dette, qui lui est en investissement. Et notre épargne nette s'élève à 6,7 millions d'euros, ce qui est considérable. C'est le même montant qu'en 2018. Et grâce à ça, nous réalisons des investissements importants à hauteur de près de 14 millions d'euros en 2019. Genre le début des travaux d'extension des marronniers, les entretiens dans les écoles, le développement du numérique dans les écoles, le plan vélo, etc. Ces investissements, évidemment, sont réalisés en maîtrisant l'emprunt. Je rappelle que nous avons une capacité de désendettement aujourd'hui qui est de l'ordre de 4 capacité d'endettement qui est de 4,3 ans, c'est-à-dire 3 fois moins que la limite
fixé par ce qu'on appelle le dispositif de Cahors, c'est-à-dire un dispositif d'engagement budgétaire contractuel, donc 3 fois moins endetté. Deuxièmement, l'ensemble des ratios financiers traduisent notre bonne santé financière, comme le montre le résultat de clôture à 6,1 millions d'euros positifs. Voilà, donc je voulais le dire parce que quand même, ça prouve que sur ces sujets, on peut parfaitement assurer un service public efficace sans augmenter les dépenses publiques. Voilà, suivez mon regard. Dans ce pays, on passe sa vie à augmenter la dépense publique et à faire croire aux Français que ça va aller mieux après parce qu'on va les augmenter. La vérité, c'est qu'on creuse les déficits et la dette, et pour autant, les gens sont toujours quand même sur leur faim sur certaines qualités de service public. Donc nous, à Meaux, on a une qualité de service public qui est reconnue par tous et on fait attention aux dépenses parce que derrière, ce sont les impôts des gens. Voilà. Pour autant, on a souffert, puisque vous le savez, l'État, depuis M. Hollande, en 2014, a réduit les dotations aux communes de manière très forte, hein, près de 30% de baisse entre 2013 et 2019, alors que dans le même temps, on continuait d'augmenter nos exigences de dépenses de fonctionnement par des normes supplémentaires en tout genre, y compris l'indexation des prix dans les marchés publics et autres sujets de ce genre, comme le statut de la fonction publique d'État, qui nous est intégralement appliqué. Et donc, quand on a vu avec inquiétude en 2014 qu'il y avait un risque à cause de ces baisses de dotation, on a fait un plan hors sec hein, pour réduire, faire des économies dans tous les sens, et on a pu préserver notre épargne nette positive. Elle a été en moyenne de 4,3 millions d'euros positives entre 2014 et 2020. Et donc, au total, on a fait 94 millions d'euros d'investissement quand même. Hein, donc, c'était considérable. Vous y avez vu la construction du Colisée, les travaux dans les écoles, le plan de végétalisation, la dissimulation des câbles sur les façades des rues, le développement du numérique dans les écoles, et puis les travaux de voirie, notamment la rue du Grand Serre et les pistes cyclables que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a réussi, et c'était pour nous très important, ce travail d'équilibre entre la maîtrise des finances et en même temps l'investissement et le tout sans augmenter les impôts. Voilà. Donc c'est important de le noter parce que cette marque de fabrique, évidemment, j'entends bien continuer de la préserver pour les années qui viennent. Nous avons eu un choc très important, vous le savez, avec le coronavirus qui a évidemment engendré des coûts. On a fait face à des dépenses imprévues, mais parce qu'on avait des réserves, on a pu le faire. Voilà. J'entendais Mme Merkel dire combien elle était heureuse en Allemagne d'avoir pu avoir un pays excédentaire sur le plan budgétaire pour investir massivement. C'est vrai que c'est quand même un plus considérable dans des situations comme celle-là. Donc, plus modestement, nous, pas à l'échelle de l'Allemagne, mais à l'échelle de Meaux, on a finalement une méthode assez comparable. Je ne voudrais pas terminer ce propos sans remercier, mais vraiment profondément, notre directeur général et puis Mme Bruneau qui a en charge la conduite des finances, avant d'avoir pris des nouvelles fonctions qui incluent les finances, d'ailleurs toujours. Remercier tous les directeurs qui ont fait un travail absolument remarquable pour participer à cet effort d'économie. Et puis saluer bien sûr Emmanuel Vielpeau, qui a pris la suite de Jean-François Parigi dans la conduite des finances et qui a été évidemment, qui ont été l'un et l'autre très vigilants pour m'accompagner dans ce domaine. Voilà. Donc Bruno Delost a un héritage dense qu'il porte sur ses solides épaules. Voilà. Bruno, à toi. Monsieur le maire, chers collègues, après ces propos introductifs, je vous propose quand même qu'on fasse un rapide tour d'horizon des principales recettes et dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement. Vous avez un support visuel, si vous le souhaitez. Alors, les recettes pour la partie fonctionnement s'élèvent en 2019 à 88 millions d'euros, auxquels s'ajoute l'excédent de 2018, c'est-à-dire 4,3 millions d'euros. Les recettes d'investissement, elles, sont de 18,4 millions et auxquelles on additionne également les restes à réaliser pour 8,853 millions d'euros. Hein. Les restes à réaliser étant la différence entre les crédits ouverts et les mandats émis. Les dépenses pour la partie fonctionnement sont de 77,9 millions et pour la partie investissement de 19,7 millions, auxquels s'ajoute également le report de 2018, à savoir 3,9 millions, et les restes à réaliser sont de 11,880 millions euros. Les opérations réelles en page 3 par rapport au BP 2019
c'est-à-dire les taux d'exécution en réalité, sont de 93,37% pour les dépenses de fonctionnement, 101,15% pour les recettes de fonctionnement, 63,40% pour les dépenses d'investissement et 59,83% pour les recettes d'investissement. En page 4, classées par catégorie, vous pouvez constater que la moitié des recettes réelles de fonctionnement proviennent des contributions directes, un peu plus de 23 millions, de l'attribution de compensation, c'est le reversement fait par la CAPM à la ville de Meaux, et du produit des services vendus aux administrés, et les autres impôts et taxes, pour un peu plus de 3 millions d'euros. Le reste provient de la dotation de solidarité urbaine, pour près de 14 millions, de la dotation forfaitaire, pour un peu plus de 9 millions, et des autres dotations, pour un peu plus de 7 millions, du fonds de solidarité de la région Île-de-France, et du fonds de péréquation intercommunale pour un peu plus de 6 millions d'euros. Classé par chapitre, l'essentiel des dépenses réelles de fonctionnement sont les charges de personnel, c'est 67% du budget de fonctionnement, les charges à caractère général pour près de 17 millions, les charges de gestion courante pour un peu plus de 6 millions, et les frais financiers, c'est-à-dire l'intérêt de la dette, et pour 1 million d'euros, et les provisions et dotations aux amortissements, ainsi que quelques charges exceptionnelles. Alors, vous avez un graphique pour voir comment ces charges ont évolué ces dernières années. Vous pouvez constater qu'elles ont évolué de façon très maîtrisée, comme l'indiquent les colonnes que je soumets à votre appréciation. Il vient d'être évoqué, page 7, le dispositif de Cahors. Comme vous le savez, certaines collectivités locales ont été invitées par contrat à ne pas suivre l'exemple de l'État en matière de dérapage des finances publiques. Donc, les dépenses réelles de fonctionnement ont bien été encadrées pour certaines communes. Toutes les communes qui avaient des dépenses de fonctionnement supérieures à 60 millions, on leur a demandé tout simplement de limiter leurs dépenses. Ceci a été encadré par un contrat, et bien évidemment, ce contrat a été respecté par la ville de Meaux pour les années précédentes. Pour 2020, il a été suspendu d'ailleurs à cause de la crise du Covid. Si nous regardons maintenant les dépenses réelles par fonction, on retrouve ici toutes les priorités politiques que vient de rappeler le maire, les priorités politiques de Meaux pour tous, bien évidemment, tournées vers la famille pour près de 10 millions d'euros, l'école, 15 millions, les crèches, le sport, la jeunesse, la sécurité, bien évidemment, la qualité de vie. Ensuite, vous trouverez en page... En page 10, toute l'observation de l'évolution de l'épargne brute. Alors, c'est un indicateur très important, l'épargne brute, puisque c'est ce qui, en fait, va démontrer la robustesse de notre capacité d'autofinancement. L'épargne brute, c'est quoi ? C'est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Et on voit que... ils sont de l'ordre de 12 millions pour l'exercice 2019. L'épargne brute diminuée du capital de la dette donne l'épargne nette. Et en fait, l'épargne nette, c'est un indicateur extrêmement important puisque c'est celui qui conditionne les marges de manœuvre pour pouvoir investir et préparer l'avenir. Voilà. Donc, préparer l'avenir sans faire appel à des impôts nouveaux, sans faire appel à des subventions et bien évidemment... à des prêts nouveaux. Donc, investir et préparer l'avenir, c'est ce que reflète l'exercice 2019 que vous avez sous les yeux. Les dépenses d'équipement ont représenté près de 14 millions d'euros en 2019, avec beaucoup d'investissements en voirie, près de 6 millions, des dépenses d'équipement scolaire pour 2,5 millions, le sport et la culture pour 1,5 million, les travaux dans les bâtiments, la salle des fêtes, enfin, tout ceci vient d'être rappelé. Donc, il ressort de tout cela que le fonctionnement est excédentaire, de 14 431 000 euros, l'investissement est déficitaire de 5 271 000 euros, ce qui fait que l'excédent de clôture est de 9 161 000 euros,
moins les restes à réaliser, ce qui fait un résultat net de 6 124 000 euros. L'épargne nette de la ville en 2019 est de 6 700 000 euros et notre capacité de désendettement, c'est-à-dire l'encours de la dette par rapport à l'épargne brute, eh bien, est de 4,5 ans, ce qui est vraiment un très très bon critère puisque la moyenne nationale est entre 11 et 12 ans. Donc on invite les membres du conseil municipal à voter le compte administratif 2019 du budget primitif qui s'équilibre donc à 23 735 000 euros en dépenses d'investissement, à près de 78 millions d'euros en dépenses de fonctionnement, à 18,5 millions en recettes d'investissement et à 92 384 000 euros en recettes de fonctionnement. D'où un résultat excédentaire de 9 160 000 euros. Merci beaucoup pour cette présentation, Bruno. Monsieur Moukine. Monsieur le maire, chers collègues. Donc je voulais remercier, comme vous l'avez fait, et féliciter les services pour le travail remarquable qu'ils effectuent chaque année sous la responsabilité de Madame Bruno et souhaiter la bienvenue au nouveau responsable des finances qui vient de prendre ses fonctions. Donc comme il se doit, nous nous abstiendrons puisque nous n'avons pas voté le budget 2019. Je voulais également profiter pour remercier Bruno Delost de nous avoir accueillis au sein d'une commission informelle et d'avoir, avec ses services, répondu à toutes nos questions. Mais on est comme ça, nous. Hein. Pas toujours. On est des gars bien. Hein. Et patients, surtout. Je ne fais pas de commentaires. Nous non plus. Alors, si vous permettez, monsieur oui, le maire. Pardon. Oui. Pardon, je crois que monsieur Savret voulait prendre la parole. D'accord, parfait, c'est bien noté. Bruno. Non, non, juste au moment de clore ce petit dossier-là, j'ai une petite pensée pour mes illustres prédécesseurs à ce poste-là, et bien évidemment avec l'administration avec laquelle j'ai fait connaissance pour la préparation de ce dossier. Très bien. Moi, je trouve que ce climat de bienveillance sur ce compte administratif en dit long sur sa qualité. Parce que quand les comptes administratifs ne sont pas très bons, généralement, ça castagne dans les conseils municipaux. Résultat du confinement. Voilà. Et puis peut-être de la bonne gestion aussi. Alors, comme vous le savez, le maire ne prend pas part au vote du compte administratif. Je n'ai absolument Exactement. Jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça. Donc je dois donc quelques brefs instants quitter la salle. Et je dois même, je crois maintenant, avec la nouvelle réglementation, proposer qu'il y ait un président de séance. Alors, je propose que ce soit le premier adjoint qui assume cette présidence, afin de faire voter, et je vais donc m'absenter quelques brefs instants, donc n'en profitez pas pour prendre le pouvoir. Hein ? Oui, il faut boulot. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Qui est pour ? On va faire revenir Jean-François, je pense, c'est bon. Alors, on passe maintenant au budget annexe du Théâtre du Luxembourg, compte administratif 2019. Jérôme Tisserand. Hors taxe retrace les opérations réalisées au cours de l'année en dépenses et en recettes. Le conseil municipal est appelé à voter le compte administratif 2019 du théâtre qui s'établit comme suit. En investissement, en dépenses, 88 963 euros 87 centimes, en recettes 146 614 063 centimes, en fonctionnement dépenses 1 673 852 47 centimes et en recettes 1 853 285 79 centimes, d'où un résultat excédentaire de 237 084 et 8 centimes. Merci. Voilà. Pas d'opposition, oui, Monsieur Moukine. Monsieur le maire, chers collègues, donc nous nous félicitons de ce résultat net positif de 230 000 euros. Nous regrettons une nouvelle fois de ne pas être associés justement à la gestion de ce théâtre et de ne pas être
membre du conseil d'administration. Et donc, nous voulions vous faire part, et je pense que nous avons tous le même souci, de nos inquiétudes donc, pour le budget donc, les finances du théâtre après cette crise exceptionnelle que nous vivons toujours. Pas d'opposition, pas d'abstention. Abstention. C'est adopté. Alors, sur les délibérations 17 et 18, ce que je propose, qui sont sur le stationnement payant et la ZAC du Mont-Abord, qui sont des sujets de stationnement, je propose peut-être que Bruno, s'il en est d'accord, présente les deux délibérations 17 et 18. Et ensuite, on fait bien sûr un vote séparé. Mais comme elles sont cohérentes. Très bien. Très, très bien. Bon, en fait, la délibération 17 concerne donc le budget stationnement payant. Donc pour le compte administratif 2019. Donc en raison d'une modification que dans le traitement de la TVA pour les dépenses liées au stationnement, les opérations comptables sont depuis courant 2017 portées par le budget principal. Seule demeure sur ce budget annexe une régularisation de TVA pour un montant de 43 centimes et les écritures liées aux résultats des exercices précédents. Voilà. Donc on invite les membres du conseil municipal à voter le compte administratif 2019 du budget stationnement payant qui s'élève à 0,43 centimes en dépenses de fonctionnement et à 0,09 centimes en recettes de fonctionnement, d'où un résultat déficitaire de 34 centimes. Oui, ensuite, la délibération 18 qui concerne la ZAC du Mont-Abord 2. Donc, l'essentiel des opérations qui sont retracées dans le compte administratif 2019 de ce budget correspond à des écritures comptables. Donc, on invite les membres du Conseil à voter pour ce compte administratif ZAC Mont-Abord 2, qui s'élève à 6 453 000 en dépenses d'investissement, à 5 177 000 en dépenses de fonctionnement, et à 5 145 000 en recettes d'investissement et à 5 149 000 en recettes de fonctionnement, d'où un résultat déficitaire de 1 335 000. Merci, Monsieur Moukine. Monsieur le maire, chers collègues, merci. Sur la délib donc 17, budget annexe de stationnement payant, nous nous abstiendrons puisque nous n'avons pas voté le budget. Simplement donc deux remarques à ce sujet. Rappeler que nous sommes favorables à l'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville et que nous sommes formellement opposés à la construction d'un parking souterrain pour un coût de plus de 12 millions. C'est pour nous un projet d'un autre temps. Sur la délibération 18, donc nous abstiendrons également puisque nous n'avons pas voté le budget. Concernant donc la ZAC, donc là c'est la ZAC du Mont-Abord, nous considérons nous que la ZAC du Mont-Abord, comme la ZAC du Luxembourg, qui était engagée bien avant votre arrivée, hein, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il ne faut plus faire. C'est du bétonnage à outrance, et c'est franchement très moche. Voilà, c'est dit. Je vous remercie. Super. Juste un mot quand même sur le stationnement, le projet d'aménagement de la place de l'hôtel de ville Jacques Chirac, pour vous dire, vous êtes contre ce qui est votre droit le plus strict, mais je voudrais quand même que, pour que tout le monde l'entende, vous avez raconté sur ce sujet quand même des choses objectivement totalement fausses dans votre campagne, ce qui est votre droit, on peut raconter des choses fausses dans les campagnes pour se faire élire. Hein. Heureusement que les Meldois ne vous ont pas cru, parce que je rappelle que ça n'est absolument pas aux frais du contribuable Meldois, et les 12 millions d'euros dont vous parlez, ou le coût d'ailleurs quel qu'il soit, est pris en charge. Attendez, je termine, monsieur Kine. Qui donc est prise en charge complètement par le concessionnaire. Voilà. Donc, en l'occurrence, nous ne sommes absolument pas impactés, ni les Meldois contribuables, ni qui que ce soit d'autre que celui qui construit et qui, naturellement, ensuite aura une activité économique à travers le stationnement payant. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que quand vous me dites que l'idée de construire un stationnement
un parc de stationnement souterrain est d'un autre temps. Je ne sais pas très bien lequel de nous deux est le plus ringard, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que vous, votre proposition était de construire une tour à voiture en plein centre-ville, à ciel ouvert, sans aucune approche écologique d'aucune sorte. Alors, je ne sais pas très bien lequel de nous deux est d'un autre temps. Ce que je sais, c'est que comme ça a été le seul projet que vous avez mis en exergue dans la campagne, nous avions des dizaines et des dizaines de propositions, mais là aussi, il faut travailler quand même, hein, quand on propose un projet, il faut incarner une ligne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que face à ce que j'ai proposé avec mes colistiers, vous avez proposé qu'une seule chose, c'est cette tour à voiture, à ciel ouvert, sans aucune approche végétale d'aucune sorte, et aucune approche écologique, et avec du béton partout. Voilà ce qu'était votre marque de fabrique et votre projet. J'appelle quand même l'attention, petit détail, sur le fait que les Meldoises et les Meldois ont pu voter en connaissance de cause, puisqu'ils savaient très bien ce que vous alliez faire si vous aviez été élu. Et je note que nous n'avons pas fait le même score. Alors, vous referez vos calculs pour expliquer que tout le monde a voté contre moi, que tout le monde a voté pour vous, mais je constate que sur ce point précis d'arbitrage entre votre liste et celle que nous avons conduite, les Meldois ont vraiment fait la différence de manière très claire. Alors, que vous continuez d'être contre, je peux le comprendre, vous êtes dans une situation très intenable, il faut bien que vous défendiez l'indéfendable, puisque vous avez fait campagne dessus. Enfin, heureusement pour Meaux, pour la politique de développement durable que nous menons, que nous n'avons que c'est notre projet qui est retenu, et qui va permettre de résoudre une bonne partie du problème de stationnement du centre-ville, sans être une tour en béton polluante, mais en étant un parking souterrain, comme ça se fait d'ailleurs dans toutes les agglomérations modernes du monde. Voilà. Ben, par définition, si vous demandez la parole, je vous la donnerai, je vous l'ai dit, donc il n'y a pas de problème. Merci. Et donc, si je peux me permettre, vous reprenez donc la parole. Vous voyez, parce que, en fait, vous avez déjà parlé, vous me redemandez la parole, oui. Et je vous la donne, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis attentif à ce que vous puissiez parler. Voilà. Normal. Au-delà même du temps réglementaire. Je vous remercie. Je ne sais pas pourquoi vous vous emportez à chaque fois qu'une personne n'est pas d'accord avec vous. Ah non, c'est pas. Alors je vais vous et dire, Monsieur Moukine, ce n'est pas de l'emportement, c'est de la conviction, oui. De la passion et surtout le souci de rétablir la vérité. Moi, parce qu'il n'y a rien de pire que de mentir aux gens. Je partage la même passion que vous. Génial. Qui est celle de ma ville. Eh ben donc je ne vois pas pourquoi vous vous êtes tout émoustillé à l'idée que je puisse m'en exprimer. Et c'est heureux. Donc je ne suis pas d'accord avec vous sur ce parking souterrain, mais je ne vais pas sombrer dans une caricature comme vous le faites en dépeignant ce que nous avons proposé. Je le dis, je le répète, je l'ai écrit. Ce parking, bien sûr, n'est pas à charge du budget de la ville, il est à charge de la société Indico, qui a donc la délégation de service public pour une durée de 20 ans, ce qui est bien trop long à mon goût. Et donc je pense qu'avec cet argent, on aurait pu demander à la société Indigo, par exemple, de prendre en charge la demi-heure de gratuité supplémentaire de façon à ce que les commerçants bénéficient d'une heure de gratuité de parking. Ça également, je l'ai écrit. Donc quant à votre tour babylonienne, je ne sais pas où vous avez vu ça, je vous laisse. C'est-à-dire que c'est pas très. Je sais pas où je l'ai vu. Vos caricatures habituelles. Oui, enfin, vous savez, c'est quand même pas très très compliqué, Monsieur Moukine, on n'est pas des idiots, on sait lire. À partir du moment où vous nous dites que vous allez faire un grand parking juste derrière l'hôtel de ville, si vous voulez que ce soit un parking dans lequel il y ait beaucoup de places, vous aviez d'ailleurs proposé des dizaines et des dizaines de places, vous êtes obligé de le faire en hauteur. Donc quand on fait un immeuble en hauteur, ça s'appelle une tour, et qu'au lieu d'y mettre des logements ou des choses utiles, vous y mettez des voitures, ça s'appelle de la pollution. Et comme vous n'allez pas le faire en plastique, vous allez le faire en béton. Et quand vous nous expliquez toute la journée qu'on bétonne alors que votre seul projet lisible c'était du béton, c'était bien que les Meldois l'entendent et qu'après l'avoir entendu, ils se disent il vaut mieux pas que ce soit Monsieur Moukine qui soit élu. Et d'ailleurs, ils vous l'ont dit assez clairement dans le vote. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ensuite, pour le reste, je suis désolé, il y a un moment où il ne faut pas raconter des choses qui n'ont aucun sens. Venir m'expliquer qu'il ne fallait pas que la concession soit de 20 ans, je suis désolé, les concessions de stationnement, c'est des investissements considérables,
ces investissements n'ont de sens que si nous avons un prestataire sur la durée. Sinon, ils ne peuvent pas amortir leurs investissements. Nous ne sommes pas dans un monde abstrait où on décide comme ça, sans regarder, sans travailler les dossiers. On sort un truc pour sortir un truc. Monsieur Moukine, là, cette fois, c'est fini. Vous êtes au conseil municipal. Quand vous envoyez des lettres à tout le monde sur des fichiers dans tous les sens, avec d'ailleurs un rapport à la légalité au regard du RGPD, est extrêmement contestable. Enfin, je ne peux pas vous reprendre sur le non-respect de la règle de droit, surtout parce qu'on y passerait un temps fou. Enfin bon, quand vous nous faites tout ça, comme on est un peu, on a des journées chargées, on travaille tous beaucoup, on ne va pas répondre à tout. Mais là, cette fois, vous êtes devant vos contradictions. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la salle du conseil municipal, non plus comme depuis 50 ou 60 ans à la suivre depuis le public, mais dans l'enceinte. Et donc, du coup, on est en situation de se répondre. Et donc, je vous dis, il y a un moment où les dossiers, il faut les travailler. Voilà, c'est pas juste, il y a qu'à Faucon. Travailler un dossier, c'est le regarder. Donc une délégation de services publics avec des investissements, ça s'amortit sur la durée. Sinon, il n'y a personne qui l'a fait. Alors ensuite, le numéro démago habituel de combien d'heures de stationnement gratuit, eh ben écoutez, moi je vais vous dire, ma religion elle est faite depuis très longtemps sur le sujet. Quand le stationnement est gratuit trop longtemps, nous avons déjà un stationnement gratuit 20 minutes, quand il est gratuit trop longtemps, ça fait des voitures ventouses. Ça fait qu'on peut plus garer, qu'on engorge une ville. Bon, donc qu'est-ce que nous avons fait comme politique de stationnement? Nous avons fait une politique par laquelle nous accroissons l'offre de places sans polluer, c'est l'intérêt de le faire en souterrain, et nous accroissons les pistes cyclables pour dissuader ceux des gens qui peuvent ne pas se déplacer en voiture de le faire en vélo. Voilà. Donc, en fait, quand on regarde d'un peu près, d'un peu calmement, c'est assez cohérent ce qu'on fait. Voilà. Alors après, vous êtes contre, c'est votre droit. Je demande juste une chose, c'est que vous le soyez de manière rigoureuse. Voilà. Je n'ai aucun problème avec les critiques. On n'a pas la vérité révélée, on fait ce qu'on peut. Je demande simplement que vos arguments, vos observations, vos oppositions soient rigoureuses. Des démonstrations qui soient convaincantes, pas juste dire un truc parce que vous avez le micro. Et encore une fois, c'est comme vous voulez, faites ce que vous voulez, mais les gens nous écoutent. On n'est pas comme ça en apesanteur à dire un truc parce qu'on avait envie de dire un truc. Là, les gens nous écoutent, donc ils veulent entendre des arguments rationnels. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous dis, sur cette histoire de parking, oui, vous avez proposé une tour à voiture, ça n'était pas responsable. Oui, j'ai préféré investir dans des places de stationnement plutôt que rajouter 10, 12 minutes, 15 minutes de plus gratuit, ce qui ne sert rigoureusement à rien. Et enfin, dernier point, j'ai mis des pistes cyclables pour que les gens qui le peuvent puissent venir en vélo, à pied, et ainsi profiter pleinement d'un centre-ville totalement rénové, avec des commerces de plus en plus nombreux, et pour lesquels, dès que la loi le permettra, nous remettrons toutes les animations pour en faire ainsi un lieu vivant et qui explique que les commerces reviennent. Tout ça est cohérent. J'ajoute, dernier point, ça n'est pas d'un autre temps, c'est très moderne. Parce que c'est une manière aussi d'apporter une réponse aux achats sur le digital. Parce que les gens retrouvent le lien humain à venir dans nos commerces de centre-ville. Voilà. Oui, Jean-François Parigi. Encore une fois, j'essaie de le moins possible d'intervenir dans les débats, mais là, il y a quand même une précision, et notamment pour les gens qui nous écoutent. On ne peut pas faire des raccourcis comme vous le faites, M. Moukine. Les 12 millions d'euros de dépenses faites Indigo, c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'ils vont amortir cet investissement. La demi-heure gratuite, c'est du fonctionnement. Et là, par contre, c'est pas la société Indigo qui paye. Ce sont les Meldois. Ah oui. Ce sont les contribuables Meldois. Et rajouter une demi-heure en plus, c'est une nouvelle charge pour les contribuables Meldois. Mais non, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est la réalité. Et c'est pour ça que parfois, les raccourcis que vous faites, et je vous écoute, et je me retiens, parce que je ne suis peut-être pas aussi bien observateur que vous de la vie politique. Je n'ai certainement pas votre expérience de la vie politique, chose que vous mettez toujours en avant. Mais j'ai été élu pour la première fois en 89 dans cette ville. 89, M. Moukine. Je n'étais pas dans le public, j'étais élu. Et notamment, je suis obligé de le dire, sur le règlement intérieur, sur les interventions que vous faites, c'est des grosses ficelles qui, elles, sont d'un autre temps, M. Moukine. C'est des choses qu'on pouvait faire à la rigueur à cette époque. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué, heureusement. Le statut de l'élu d'opposition a évolué, heureusement. Mais je demanderai simplement, M. Moukine, que vos interventions, ce n'est pas parce que plus elles sont longues, plus elles sont de qualité. J'irais même, hélas, que c'est la loi des nombres. Plus elles sont longues, plus elles sont mauvaises.
J'aurais simplement qu'à un moment donné, il y ait un peu plus de maturité politique dans les interventions qui seront faites. Et que, surtout, s'il vous plaît, on travaille les dossiers sur le fond. J'ai besoin que nous ayons des échanges qui soient rigoureux. La remarque qu'a fait Jean-François, qui est très juste, qui complétait tout à fait ce que je disais, c'est vrai qu'on ne peut pas mélanger des torchons et des serviettes. Effectivement, il faut le rappeler, la demi-heure de fonctionnement, elle est payée par les contribuables meldois, alors que le parking, par des investissements, c'est un point majeur, par le concessionnaire lui-même. Donc, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Allez, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Un contre? Non, deux contre? Abstention? Bah, contre. J'ai demandé qui est contre. Vous êtes contre ou vous abstenez? Bah oui, mais alors, attendez. Je dis qui est contre, vous levez la main. Moi, c'est comme on veut, mais c'est la même chose. Et même sur les détails, il faut être précis. Donc là, c'est qui est contre? Bah, vous êtes sous pression parce que juste, on vous met un peu devant vos contradictions. Alors là, on n'a plus le monsieur Moukine qui nous dit « Je suis là depuis 40 ans, je connais par cœur, mais en même temps, je connais rien, mais je connais, et puis je connais plus. » Bah non, là, on vous met devant vos contradictions. Voilà, alors évidemment, c'est plus la même chose. Je vous dis, c'est plus comme quand vous nous envoyez à des millions de destinataires vos lettres, là, qu'on lit quand on a deux secondes. Non, là, cette fois, vous êtes devant vos contradictions. Bon, alors, donc, on va être méthodique. Qui est contre? Je comprends que personne. Abstention, maintenant. Voilà, merci. C'est adopté. Même vote pour le numéro 18. Nous passons au 19. Je propose que Didier Attali, puisqu'il s'agit du budget annexe de l'eau et de l'assainissement, compte administratif, présente les délibérations 19 et 20 ensemble, et puis nous ferons ensuite un vote séparé. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Deux comptes de clôture, le premier sur l'eau, le second sur l'assainissement. Je vais vous éviter de la longue litanie des chiffres. Juste pour vous dire que le compte administratif 2019 du budget d'eau, l'annexe eau, est de 5 501 069,066 €. En ce qui concerne l'assainissement, il s'établit à un résultat déficitaire de 754 873,98 €. Vous allez me poser une question, mais comment se fait-il que les années précédentes, il était positif, en tout cas sur l'assainissement? C'est que nos comptes ne sont pas effectivement sincères. Et oui, il faut le dire. Tout simplement parce qu'on a eu un petit problème. On a eu deux périodes de facturation qui ont été absentes sur la fin de l'année. Et on l'a écrit au Meldois. Ils l'ont tous reçu. Et donc, si on regarde bien les comptes à ce jour, ça veut dire les comptes 2019 avec les deux facturations manquantes, on est excédentaire sur l'eau à plus de 8,5 millions. Et en ce qui concerne l'assainissement, il n'est plus déficitaire, mais il est positif de plus de 1,6 millions d'euros. Je vous remercie de voter les deux délibérations que j'ai présentées. Merci beaucoup, Didier. Demande de parole? Oui, monsieur Savret. Monsieur Savrède, pas besoin que vous demandiez l'autorisation à monsieur Moukine. Je vous ai donné la parole, vous avez droit, ne vous inquiétez pas. Sur les comptes sur l'eau, je crois que... Alors, abstention ne veut pas approbation, monsieur Copé, hein, pour répondre. Comment à abstention ne vaut pas approbation. Ah ben, bah, je n'ai jamais dit que l'abstention, c'était l'approbation. Donc, tout à l'heure, vous avez sous-entendu que... Comme il n'y avait pas de débat sur le budget administratif, j'ai compris que vous sous-entendiez que la gestion était bonne. Bon. Non, attendez, alors monsieur Savret, que les choses soient très claires entre nous. D'abord, moi je ne sous-entends rien et je n'interprète rien. Simplement, je commence à connaître un peu le fonctionnement des votes en démocratie. Il y a trois catégories. Il y a abstention, contre, pour. Quand on est dans l'opposition, on attend généralement l'opposant qui vote contre. On n'imagine pas une seconde qu'il va voter pour. On adorerait. Bah, c'est très rare. Il faut vraiment des trucs très unanimistes et je serais ravi de vous accueillir un vote pour. On a voté pour sur certains sujets. Je suis d'accord. Enfin, traditionnellement, c'est contre. Généralement, quand des gens s'abstiennent, c'est un signe qu'ils ne sont pas totalement opposés. Le rôle de l'élu a évolué, monsieur Copé. Ben, dans ce sens, justement. Pour ça, j'étais content de vous faire cette petite mise à jour. Mais je ne me permettrai pas d'interpréter votre vote. Simplement, je l'entends, c'est tout. Voilà. Et je m'en réjouis. Juste sur l'eau. Je,
Alors moi, je n'ai pas fait 35 ans de conseil municipal, mais je... Bah oui, moi non plus, c'est M. Moukine, mais vous savez, c'est ça la diversité, il nous faut toutes les générations. J'ai cru, enfin, il me souvient quand même, parce qu'en 2014, j'ai assisté quand même à certains conseils municipaux, notamment quand il y a eu les budgets sur l'eau, et la récurrence, c'est que sur le budget de l'eau, il y a toujours eu des excédents. Donc, à un moment donné... Une fois qu'on a fait les investissements, une fois qu'on a fait l'entretien, une fois qu'on a... Avoir toujours un excédent, ça pose question. Ça veut dire, soit il y a quelqu'un qui paye trop, et à ce moment-là, il faut réajuster. Non, mais bah, attendez, après, la question, elle peut se poser. Soit il y a quelqu'un qui paye trop dans cette histoire, parce que si on est toujours en excédent, c'est qu'à un moment donné, on peut réfléchir autrement, et on peut diminuer le prix du mètre cube. Si on a fait tous les investissements, l'entretien, toutes les opérations nécessaires sur le fonctionnement du service de l'eau et qu'on est en excédent, c'est qu'on peut faire autre chose. Voilà. Donc. Alors ça, Monsieur Savray, il faut qu'on se parle. Parce que c'est vrai qu'il y a, vous savez, ça fait quelques années que j'ai l'honneur d'être maire. J'ai fait des débats politiques au niveau national et on ne m'avait jamais dit ça encore. Alors, mettons-nous bien d'accord. Et ça, c'est vraiment, alors là, pour le coup, une divergence politique au sens noble, majeure, et qui me fait définitivement me confirmer que je ne serai jamais mélenchoniste. Alors, que les choses soient claires, le rôle d'un décideur public, de mon point de vue, il est de toujours trouver l'équilibre entre le fait d'être juste et en même temps le fait d'être rigoureux. Or, quand on gère les finances publiques, on doit le faire avec le même engagement que si c'était pour sa propre famille. Je continue de m'expliquer, Monsieur Savray, pour soumettre ça à votre méditation. Je n'espère pas, à la fin de cette intervention, vous ramener à ma famille politique, mais au moins marquer notre différence. Qu'est-ce que ça veut dire gérer en décideur public avec le même sentiment que si on le faisait pour sa famille, comme une sorte comme on dit, gérer en bon père de famille? Ça veut dire qu'on doit être capable, dans les années vertueuses, d'engranger suffisamment de réserves pour faire face aux années qui ne le seraient pas. Si, pour une raison X ou Y, nous sommes confrontés demain sur le secteur de l'eau et de l'assainissement, et je l'applique dans d'autres domaines, à un problème majeur, des travaux considérables, liés, comment savoir, à, par exemple, une crue de la Marne, compte tenu de la situation du développement durable, qui viennent à porter gravement atteinte à la qualité de l'eau ou à la qualité de nos structures d'assainissement. Et qu'on se trouve du jour au lendemain confronté à des investissements à réaliser, cher monsieur Savray, je pense que même vous me direz, monsieur le maire, heureusement que vous ne m'avez pas écouté, que vous n'avez pas joué les cigales et que vous avez conservé suffisamment de réserves pour faire face. Voilà. Donc la différence, elle est là. Vous aurez toujours des rendez-vous démagogiques pour dire, ah ben on va en profiter, on va baisser. Mon défi, monsieur Savray, et je vais vous donner la parole tout de suite, mais juste pour que ce soit clair, c'est de veiller à ce que le prix de l'eau à Meaux soit toujours inférieur à la moyenne, et je note qu'il l'est. Et pourtant, c'est du service public. Et vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises privées qui sont venues me solliciter depuis que je suis maire, pour me dire, monsieur le maire, pourquoi vous ne privatisez pas le service de l'eau et de l'assainissement? Je ne l'ai jamais fait. Et pourtant, vous connaissez tous mes orientations politiques, je pourrais parfaitement considérer que dans un certain nombre de domaines, il faut le confier au secteur privé. Je le fais quand c'est nécessaire. Les abattoirs, j'ai arrêté de m'occuper de l'abattoir. Un maire n'est pas fait pour s'occuper de l'abattoir. Donc on a privatisé l'abattoir, mais pas le service de l'eau et de l'assainissement, dès lors que je considère que le service public est capable de faire mieux que l'entreprise privée. Mais nous le faisons en veillant scrupuleusement à être compétitifs sur le plan de l'eau. C'est le cas du prix de l'eau, mais en même temps en ayant des réserves en cas de problème. Voilà. Et c'est ce que nous faisons et c'est pour ça que nous sommes dans cette situation. Monsieur Savray, à vous. Non, mais j'entends très bien que... Mais vous savez, on peut être très juste et rigoureux et quand même se reposer la question du juste prix. Ah ben, du moment qu'on répond, qu'on répond pas à côté, bien croyez-moi, sûr. Croyez-moi, je serai un fervent défenseur à la communauté d'agglo du service public et de la régie communautaire. Ben, comme tout le monde. J'espère. Je parle pour moi. Oui, ben, on sera content de vous avoir avec nous. Voilà. Donc, et ça, j'espère bien que, effectivement, ça va durer. Oui. Mais je constate quand même, on peut faire des réserves. Mais quand ça perdure, normalement, quand on calcule le prix de l'eau, on prévoit aussi les investissements à venir, les renouvellements, l'entretien, la maintenance, le compte administratif. Enfin, je fais pas le... Monsieur Savray. Vous savez mieux que moi comment Bien ça sûr. Fonctionne.
puisque vous êtes le maire. Donc, un excédent aussi important, dans la durée, ça pose question. Monsieur Savré, je vous le dis, ça pose question. Alors, je vais essayer de répondre à ce qui vous pose question. Nous avons parmi les investissements à programmer, et c'est là où je disais, je le dis à Monsieur Moukine, je vous le dis de la même manière à vous, parce que ne le prenez pas en mauvaise part, je vous entends, etc. Mais s'il vous plaît, travaillons les dossiers. Bon, je vous rappelle, et je ne peux pas croire qu'ayant été candidat au municipal de Meaux, vous n'ayez quand même pas regardé, depuis un certain temps, les dossiers Meldois, que nous avons à financer une nouvelle usine des eaux. Oui, j'ai bien vu. Mais bon. L'excédent sera le bienvenu. Monsieur Savray, 26 millions d'euros. Pour la communauté. Voilà. Bien évidemment. Mais bien. Je pense que bon. tout à l'heure, nous allons voter un certain nombre de choses. Voilà. Et vous verrez que... Bon, alors, si je consacre les excédents que nous accumulons chaque année à baisser le prix de l'eau, je la finance avec quoi, l'usine des eaux? Avec de l'emprunt? Payé par qui? Par le contribuable? Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Bah oui, mais vous alors, ben, réponds, tiens, alors allons-y. C'est Allez, une minute, c'est vous le maire de Meaux. Comment vous le faites pour financer l'usine des eaux, 26 millions d'euros, en baissant le prix de l'eau, juste, et en consacrant les excédents qu'on a accumulés à ça, juste, dites-moi. D'abord, ça se prévoit sur le temps. Ben bah oui, c'est pour ça qu'on épargne tous les ans. Gouverner, c'est prévoir, c'est la première des choses à faire. Pour ça que, c'est pour ça que je vous le dis. Quand on calcule le prix de l'eau, on prévoit les investissements et quelle est la répercussion sur le prix du mètre cube, bien évidemment. Bah voilà, sinon, c'est ce que j'ai fait. Sinon, bah oui, mais... Je vais vous dire, là vous êtes en train de vous copéiser, mais alors à vitesse grand V, vous. Non, je vous... Et on est qu'au premier conseil, hein. Dans 6 ans, je vais vous dire, je vous prends sur la liste, moi. Je vous rassure, j'ai été moi-même parfois dans d'autres situations, dans d'autres organismes gestionnaires en bon père de famille et je me suis toujours attaché. Alors pourquoi est-ce que vous êtes bon père de famille dans vos organismes et pas pour la ville de Meaux? Là, je comprends pas. Je vous demande pas de créer du déficit. Je vous dis simplement, quand on est dans une situation, surtout sur la question de l'eau, qui est, me semble-t-il, historiquement excédentaire, il y a à un moment donné, il y a des questions à se poser sur le prix de l'eau. Pourquoi vous ne dites pas que vous aviez oublié l'usine des eaux et qu'on passe à autre chose? On va pas passer la soirée là-dessus, vous me reparlez d'excédents. Je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure que ça va servir à faire face à un certain nombre de dépenses majeures. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui perdure depuis quand même déjà de nombreux exercices. Oui. Mais tant mieux. Dans le cadre du service de l'eau. Mais tant mieux. Mais écoutez, monsieur Savray, moi, honnêtement, si on présenterai des comptes avec un déficit massif. Vous auriez de quoi taper. Mais là, vous êtes en train de vous émouvoir qu'on a accumulé des réserves pour pouvoir financer des gros investissements. Mais je ne comprends rien, moi. Non, c'est pas ce que je vous dis. Bah si. Non, je dis que c'est... Je crois savoir qu'historiquement, depuis de nombreuses années, et donc du coup, on ne refait pas une usine de l'eau tous les jours, tous les exercices, mais qu'il y a toujours eu un excédent dans la gestion de la régie publique de l'eau. Donc à un moment donné, si on peut faire quelque chose quand on a... Pour le réduire. En tout cas, pour réduire le prix du mètre cube, si c'est possible. Mais monsieur Savray, le prix du mètre cube de l'eau est déjà inférieur à la moyenne des villes. On est compétitif. Heureusement, puisqu'on ne dit pas heureusement, mais. C'est ça l'avantage de la régie publique de l'eau. Voilà. Non, pas du tout. Vous avez des régies publiques qui sont beaucoup plus chères, qui sont mal gérées. Ah, bah oui, elles sont mal gérées. Bah oui, écoutez, évidemment. Non, mais je vous assure, sur les questions de gestion, moi je suis ouvert à tout, mais vraiment arriver avec des arguments vraiment structurés, qu'on avance, parce que sinon on n'y arrivera pas. C'est une question. Merci beaucoup, M. Savray. Allez, M. Moukine, aidez-moi à convaincre M. Savray, comme vous voyez souvent tous les deux, que sur ce sujet, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas y passer la soirée non plus, c'est bon sens. Je vous remercie, cher collègue, Monsieur le maire. Ouais. Nous nous félicitons que le service de l'eau soit resté en régime municipal, contrairement à d'autres villes, et qu'il y ait une saine gestion. Nous abstiendrons sur les deux délibres, 19 et 20, puisque nous n'avons pas voté les budgets. Je me faisais une petite remarque tout à l'heure en vous écoutant d'une oreille distraite, puisque je connais le discours. J'étais en train de me demander comment vous allez faire pour me supporter pendant 6 ans. Que vous ne, ça vous écoutez, alors vraiment, honnêtement, je suis élu. Donc, il est normal que je m'exprime. Monsieur Moukine, là-dessus... Chacun donc met en avant ses arguments. C'est un sain débat démocratique, dans le respect, bien sûr, mutuel. Voilà. Oui, mais Monsieur Mouquet, je vais vous répondre. D'abord, premièrement, vraiment, n'ayez aucune crainte. Moi, j'ai aucun affect avec vous.
Donc, vraiment, il n'y a pas de sujet. Vous êtes là, pas là, c'est pareil, vous venez. La seule chose, M. Moukine, c'est qu'il va falloir, vous, de votre côté, que vous acceptiez un truc insoutenable, mais je vous le dis, c'est que quand vous dites quelque chose, je vous réponde. Et pour le coup, si ce que vous dites est quand même abracadabrantesque, souffrez que je veuille bien y répondre. Et je vous garantis que je le ferai. Comme ça, vous en aurez pour votre argent. Vous voyez, comme vous êtes venu, autant que vous soyez venu, pas pour rien. Donc, quand vous nous dites des choses qui sont utiles au débat, qui nous permettent d'avancer, on en sera ravis. On a besoin, justement, de choses constructives. Mais si vous nous dites des trucs comme votre tour à voiture et autre chose comme ça, ne vous attendez quand même pas à ce que je vous dise, écoutez, monsieur Moukine, merci. On cherchait vraiment une idée intelligente. On ne savait plus quoi faire. Heureusement que vous êtes là. Voyez, c'est tout. Voilà. Après, ne vous inquiétez pas. C'est une opposition, elle a toute sa place. Je vous l'ai d'ailleurs dit. Regardez comme on a dépassé votre temps de parole. Vous étiez inquiet. Puis tout à l'heure, vous avez pu parler, reprendre la parole. Monsieur Savret, tout le monde. Il n'y a pas de sujet. Il y a juste une chose. C'est que vous dites des choses. On répondra. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, mais on répondra. Ça, je vous garantis, on ne laissera rien passer. Parce que derrière ça, il y a le service public. Il y a la vérité des faits. Et je vous le dis, que ce soit moi ou mes collègues, quand vous dites des choses qui n'ont soit rien à voir, soit qui sont totalement hors de propos, on vous le dira. Ça, c'est sûr qu'on vous le dira. Voilà. On avance ? Je n'ai pas terminé. Ah bah, allez-y. Donc, il y a deux délibérations. J'ai donc droit à 10 minutes avec ce nouveau règlement. J'ai dû parler 1 minute à tout casser. Donc, je voulais simplement vous dire que je suis assez zen, voilà, comme vous, apparemment. Donc, nous aurons des débats, et c'est tout à fait naturel que nous soyons en désaccord. Mais oui, c'est bien sûr. D'accord. Mais si je peux me permettre, pourquoi est-ce que vous croyez obligé de nous dire que vous êtes zen ? Nous, on s'en fiche que vous soyez zen ou nerveux, ça ne c'est pas notre vie. À chaque fois, vous croyez obligé de nous raconter une part de votre vie. Moi, ça me touche, mais je veux dire, ça me touche à titre personnel, parce que je suis soucieux de votre santé, mais je veux dire, objectivement, que vous soyez zen, énervé, endormi ou passionné, c'est pas ma vie, hein. Vous êtes comme vous voulez, vous débattez, on débat gentiment, puis on passe à autre chose, parce qu'il y a quand même encore une bonne vingtaine ou une trentaine de délibérations. Je vous remercie. Bah de rien. Allez, on passe au vote. Donc, on a noté l'abstention de M. Moukine, M. Savret également, je crois que vous abstenez. Ouais. Donc, c'est adopté. La délibération 19, la délibération 20. J'en profite pour remercier Didier Attali, qui fait un travail absolument remarquable sur ces sujets. Nous passons à la délibération, aux délibérations suivantes, qui sont des délibérations de budget principal, 21, 22, 23, 24. Et si, Bruno, on est d'accord, peut-être de faire une présentation groupée des quatre. Et ensuite, on fait, bien sûr, débat et vote séparés. Bon, il s'agit d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 pour le budget principal. De la même façon, le résultat d'exploitation pour le théâtre. De la même façon, le résultat d'exploitation pour le stationnement payant et de la ZAC du Mont-Abor. Donc, le compte administratif 2019 du budget principal présente un résultat d'exploitation de 14 431 000 euros. Et un besoin de financement de la section d'investissement, on l'a vu tout à l'heure, de 8 306 000 euros. Il est proposé d'affecter le résultat 2019 comme suit. Donc, la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement pour 8 306 000 euros et affecter le solde disponible à l'excédent reporté en fonctionnement, c'est-à-dire les 6 124 000 euros. Le compte administratif 2019 du budget Théâtre du Luxembourg présente un résultat d'exploitation, lui, de 179 433 euros, un excédent de financement de la section d'investissement de 51 000 euros, et on propose d'affecter le résultat d'exploitation en excédent de fonctionnement reporté pour 174 000 euros, 433 000, et en dotation complémentaire en réserve pour 5 000 euros. Ensuite, le compte administratif du budget annexe de stationnement payant présente un résultat d'exploitation de 43 centimes d'euros. On va l'affecter, si vous en êtes d'accord, au résultat d'exploitation de l'exercice 2019 en déficit de fonctionnement reporté pour 43 centimes. Et le compte administratif 2019 de la ZAC Mont-Abor 2 présente un résultat d'exploitation de 27 955 euros. Il est proposé d'en affecter le résultat comme suit, en déficit de fonctionnement reporté pour 27 955 euros. Voilà. Donc on vous demande de vous prononcer sur ces affectations-là. Merci, Monsieur Moukine. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc nous nous abstiendrons sur les délibes 21, 22, 23 et 24. Merci. Merci. Monsieur Savret.
Pas d'opposition. Donc j'ai noté les abstentions. Alors on va faire pour chaque vote. Donc pour le 23, le 21, pardon, 22, pareil, 23, même vote, même 24, même vote. C'est adopté. Alors même chose maintenant pour le budget annexe de l'eau et de l'assainissement. Didier, Nathalie. Dans la continuité des deux précédentes délibérations, le budget annexe eau et assainissement, dissolution et reprise des résultats de l'exercice 2019 dans le budget principal. Le budget de l'eau et assainissement était un budget annexe. Il réintègre le budget de la ville de Meaux pour ensuite, dans les délibérations 27 et 28, intégrer celui de la CAPM. Je vous devais ce petit devoir d'explication. Donc la communauté d'agglomération du Pays de Meaux est compétente en matière d'eau et d'assainissement depuis le 1er janvier 2020. Transfert de compétences. Elle s'est donc substituée à cette date à la commune de Meaux pour la gestion des services publics d'eau et d'assainissement. Je vous ai présenté juste un petit peu avant la clôture des comptes et donc je vais un peu aller un peu plus vite. La délibération 25 parle du budget de l'eau et de l'assainissement et la 26, si je ne me trompe pas, de la dissolution des reprises des résultats de l'exercice 2019 dans le budget principal. Donc je vous invite à voter la délibération 25 et 26 qui sont intimement liées. Merci. Demande de parole. Monsieur Moukine. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, nous nous abstiendrons sur les délibres 25, 26, 27 et 28 qui concernent le même dossier. Et donc, madame Ima va vous en donner les raisons. Oui. Nous l'écoutons avec plaisir. Bonsoir. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Bonsoir. Nous abstenons, mais nous voulons quand même saluer et féliciter le transfert des compétences en matière d'eau et d'assainissement de la ville de Meaux vers la communauté d'agglomération du pays de Meaux. Donc cela va permettre aux différentes communes certainement de faire des économies d'échelle et de pouvoir financer des investissements. Exactement. Par contre, j'avais une petite question d'ordre pécuniaire. Est-ce que le fait que ce transfert, est-ce que ce transfert ne va pas augmenter le prix du mètre cube pour les Meldois, qui actuellement en moyenne est à peu près de un peu moins de 4 euros DTC le mètre cube? Bah, écoutez, ça n'est absolument pas dans nos plans. Il n'a jamais été question d'augmenter le prix de l'eau. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle nous sommes très attentifs à la gestion, c'est que nous voulons absolument rester compétitifs. Il faut d'ailleurs que vous sachiez quelque chose que j'ai rajouté, que je n'ai pas dit tout à l'heure. Moi, je me bats beaucoup avec mes amis élus pour que notre territoire soit attractif pour les habitants, mais aussi pour les entreprises. Parce que je rappelle que l'un de nos combats, c'est de réduire le temps de transport entre le logement, le lieu d'habitation et le travail. Pour ça, il faut faire venir des entreprises. Le prix de l'eau, comme vous le savez, est un argument majeur que nous mettons systématiquement en avant. Donc nous, notre objectif, c'est de veiller, évidemment, à une gestion très rigoureuse dans ce domaine-là aussi. Voilà. Donc il n'est pas question d'augmenter le prix de l'eau. Après, si on a un accident majeur, un truc qu'on a besoin de financer en urgence, qu'il n'y a pas d'autre solution, on en parlera en conseil municipal. Enfin, tout est organisé, justement, y compris en constituant des réserves, d'excédents, pour éviter cela. Monsieur Savray ? Pour les quatre délibérations, je voterai pour, car c'est les biens communs, l'intérêt général qui prévaut, et donc ça me semble tout à fait bravo. Normal pour l'agglomération de participer à ce transfert. Je vous en remercie. Monsieur Moukine, un beau geste, non? Du coup, vous êtes ça pourrait donner l'impression que vous êtes anti-service public, c'est comme vous voulez. Hein. Dès lors que Monsieur Savray nous rejoint, non? C'était une proposition. Oui, j'ai compris. Bah, vous votez pour. Ah ben voilà. Bah, sur le service public. Bah, sur cette délibération. Bah, pas sur. Mais oui, mais parce que pour moi, c'était évident que c'était sur cette délibération. Le défi, c'est pour la fin du mandat. On a 6 ans. Voilà. Allez. Bon, donc on a bien noté. Alors, il faut bien sûr le même vote sur les deux délibérations, 25 et 26. Maintenant, nous passons au 27-28. Donc là, c'est le compte administratif.
Merci. Je transmettrai vos remerciements à la DEA pour le travail fait sur le transfert de compétences. Maintenant, il est temps de laisser partir notre chère DEA vers la CAPM en souhaitant un bel avenir, sachant qu'on a des gros projets, l'usine des eaux, des travaux importants sur la STEP, des travaux sur le réseau. Voilà, ça va être un peu... Il y a du travail en perspective. Donc là, sur la 27 et 28, c'est le transfert des résultats des comptes administratifs 2019 des budgets annexes eau et assainissement dissous au budget annexe et eau assainissement de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. J'espère que tout le monde a bien compris, c'est que maintenant, les comptes de l'assainissement et de l'eau étaient dans la ville de Meaux, et là maintenant, on les bascule très simplement sur l'agglomération du Pays de Meaux, puisque le transfert de compétences est effectif depuis le 1er janvier 2020. J'espère que tout le monde a bien compris. Voilà, je vais vous demander de bien vouloir voter pour l'eau et l'assainissement, ces deux délibérations, la 27 et la 28. Je reste bien entendu toujours à la disposition de M. Moukine et M. Savary, si vous avez des questions sur l'eau et l'assainissement. Voilà, sachant que, je reviens sur un petit point de détail, c'est qu'on a de l'excédent que seulement depuis 2012, parce qu'on avait déjà un projet d'usine des eaux en 2012 qui a avorté. Donc on a construit, on a économisé, on a été de bons gestionnaires, et on a construit depuis 2012. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 8 millions d'euros. Voilà, 8 millions sur 26 millions. Je pense que le Meldois sera très heureux de voir que le prix de l'eau ne va pas augmenter parce qu'on construit une nouvelle usine. Merci. Puisque nous parlons de ça, je voulais, puisque tu as évoqué le transfert de compétences à la communauté d'agglo, je voulais vous signaler que avec Régis Sarrazin, qui était en charge de ce sujet, nous avons eu à cœur de transférer la totalité de nos réserves à la communauté d'agglomération, nos réserves budgétaires. Et nous avons demandé, naturellement, à l'ensemble des autres communes de faire pareil, au nom de la solidarité. Je le dis d'autant plus que Meaux n'est pas en reste en matière de solidarité intercommunale avec les autres communes. La seule commune qui a refusé de transférer ses excédents budgétaires, je vous le donne en mille, M. Savray, cherchons ensemble. Vous n'allez pas me croire. Choconin Neufmontier. Elle n'est pas belle la vie? Mais évidemment. Mais je vous donne l'info, parce que si jamais vous pouvez, dans une réunion de... ça, il ne peut pas être là, M. Bachmann, le maire de Choconin. Il ne risque pas d'être au conseil municipal de Meaux. Non, mais vous affolez pas. Non mais alors, vous affolez pas, je lui dis aussi en conseil communautaire, il le sait, et je le dis sans aucune hésitation, parce que je trouve ça désolant, et donc je voulais en informer le conseil municipal de Meaux, y compris son opposition, parce que si jamais vous pouvez nous aider là-dessus, éventuellement dans une réunion de cellules, le convaincre, je ne vous cache pas qu'on vous en serait reconnaissant. Voilà. Ah mince, bon, j'espérais avoir en vous une relation, mais c'est loupé. Bon alors, hors cellule, si vous pouvez avoir à l'occasion la possibilité. Bon, alors, je ne sais pas. Mais non, oh, bravo! Dites donc, le Parti communiste apprécierait que vous fassiez cette. Oui, mais moi, je m'y perds un peu dans la géographie de tout cela. Mais enfin, il me semble néanmoins que si à l'occasion, vous. Ah, vous êtes de l'extrême gauche, vous? Ah, c'est ça. Ah, les communistes, ils sont d'extrême gauche, les communistes? Ben bravo, ça vous honore. Ben très bien. Mais c'est bien que vous me l'ayez dit, comme on ne se connaît pas depuis si longtemps que ça. Moi, ça m'intéresse de savoir ça. Bien, on va passer donc au vote. Délibération numéro 27. Donc abstention, M. Moukine et ses deux colistiers. Vote pour M. Savray. 28, même vote. Alors, nous passons maintenant au budget supplémentaire 2020. Bruno Delost. Oui, il est demandé au conseil municipal de voter le budget supplémentaire du budget principal. Donc, à quoi sert le budget supplémentaire? Il s'agit là de reprendre les résultats 2019 qu'on a commentés tout à l'heure, à la fois en investissement et en fonctionnement, ainsi que les budgets annexes, dissous, de l'eau et de l'assainissement. Donc pour un excédent de fonctionnement de 14 431 000 euros et un déficit d'investissement de 5 271 000 euros.
Il permet également de constater les restes à réaliser en 2019. Ils sont d'un peu plus de 3 millions, par différence des 11 888 000 euros en dépenses d'investissement et de 8 853 000 euros en recettes d'investissement. Et d'affecter, le budget supplémentaire permet d'affecter le résultat de clôture du budget principal de l'exercice 2019 à la couverture du besoin de financement en investissement et en excédent de fonctionnement reporté. Donc, à la couverture du besoin de financement pour 8 306 000 euros et le reste en excédent de fonctionnement pour 6 124 000 euros. On vient de le dire, il s'agit également, par le biais du budget supplémentaire, eh bien, de transférer les résultats du budget annexe de l'eau et de l'assainissement. On parlait tout à l'heure de gestion prévoyante et en bon père de famille. J'allais dire que cette discussion se prête tout à fait à la préparation du budget supplémentaire, puisque heureusement que le compte administratif de 2019 est ressorti de façon excédentaire, puisque ces excédents vont en partie nous permettre de faire face à des pertes de recettes qu'on a cherché à estimer et à de nouvelles dépenses imposées par la crise sanitaire. Voilà. Donc il y a 2 557 000 sur les 6 124 000 qui vont nous permettre eh bien, de faire face à des pertes de recettes. Voilà. Et le reste, eh bien, on propose qu'il soit mis en réserve pour 3 567 000 euros. Voilà. Oui, c'est une décision que j'ai été amené à prendre à la suite d'échanges que nous avons eus avec Bruno Delost, Cécile Bruno, Bertrand Serre, parce que lorsque nous nous sommes trouvés au cœur de la crise sanitaire, il m'a fallu prendre un certain nombre de décisions pour accompagner ceux de nos concitoyens qui étaient dans la difficulté. En particulier, par exemple, les décisions que j'ai prises pour annuler pour 2020 les taxes sur les terrasses des cafés et la taxe sur les enseignes publicitaires. Typiquement, ce sont des choses sur lesquelles il y a un manque à gagner qui est très significatif. Je n'imaginais pas de la faire appliquer pour nos commerçants gravement touchés par cette crise. Et d'ailleurs, j'aurais pu faire une exonération du concurrence des mois de confinement, mais enfin, nous avons préféré le faire pour toute l'année, parce que là aussi, c'était évidemment un élément de solidarité. Ce type de dépenses, nous le faisons d'autant plus que, comme l'a rappelé très justement Bruno Delost, nous avons des marges de manœuvre. Qui est contre ? Monsieur Moukine. Monsieur le maire, chers collègues, donc nous abstiendrons sur ce budget puisque supplémentaire 2020, puisque nous n'avons pas voté le budget de l'année. Donc je tenais néanmoins à souligner et à m'associer avec aux mesures que vous avez prises donc pour venir en aide aux petits commerces, aux commerçants de notre ville, bien sûr qui traversent une passe historiquement difficile, donc, c'est-à-dire la gratuité de l'occupation du domaine public pour les terrasses pour une somme de 80 000 euros, pour les marchés également pour 273 000 euros, un abattement donc sur la taxe locale de publicité extérieure pour 190 000 euros. Et également les mesures donc, de stationnement gratuit que vous aviez pris durant cette période de confinement. Juste une petite question, sans vouloir polémiquer bien sûr, mais bon, c'est mon rôle de poser des questions. Vous savez que nos concitoyens sont très sensibles aux indemnités que perçoivent les élus, et je pense que dans ce domaine, il faut agir en toute clarté, il n'y a rien à cacher. Donc j'ai constaté, page 13, à l'article 6536, que vous perceviez en tant que maire, vous aviez donc droit à des frais de représentation, ce qui est le cas de tous les maires de France, pour une somme de 12 000 euros, soit 1 000 euros par mois, qui viennent s'ajouter donc à vos indemnités de maire et à vos indemnités de président de la CAPM, pour une somme de 10 342 euros brut par mois. Donc, je le rappelle pour information. Donc, je voulais simplement savoir si cette somme donc, de frais de représentation du maire vous est versée dans son intégralité ou si elle est débloquée progressivement sur présentation de notes de frais. Bah, écoutez, je ne sais pas, non, je crois qu'elle est systématiquement versée, bien sûr, et donne lieu, le cas échéant, un justificatif, oui, évidemment, bien sûr. Bon, vous savez, il y a de quoi faire. Hein. Quand on est maire, on a beaucoup de représentation, au cas où ça vous échapperait.
Je vous remercie pour cette précision. Si je peux me permettre, quel est le lien avec notre délibération? Ben c'est dans le dossier. Ah d'accord, ok. Hein, d'accord. Page 13. Ah, c'est dans le budget, d'accord. Ok. Voilà. Je vous remercie. Très bien. Pas d'autres questions, monsieur Savret? Comment? Alors, nous passons au vote. Donc, nous avons noté 4 abstentions. C'est adopté. Ensuite, nous passons au point numéro 30. Budget annexe, Théâtre Luxembourg. Monsieur Tisseron. À quoi permet le budget supplémentaire, puisque Bruno Delost vient juste de nous le mentionner? Il est donc le budget supplémentaire du Théâtre Luxembourg s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de, en section d'investissement, 62 650,76 € en dépenses, 62 650,76 € en recettes. En section de fonctionnement, 121 673,22 € en dépenses et la même somme en recettes. Le conseil municipal est appelé à voter le budget supplémentaire 2020 du Théâtre Luxembourg. Pas d'opposition. Monsieur le maire, chers collègues, donc nous abstiendrons puisque nous n'avons pas voté le budget du théâtre. Donc je voulais savoir quelles sont les mesures que vous envisagez à court terme et à long terme pour passer cette mauvaise période, donc qui est liée au confinement et aux suites du confinement qui ont bien sûr des conséquences directes sur le déroulement des spectacles prévus et à venir, et sur la fréquentation du théâtre. Alors sur la fréquentation du théâtre, eh bien, je ne sais pas si on m'entend, 11 spectacles n'ont pu être tenus, puisque à partir du 14 mars, le théâtre a dû être fermé. Sur ces 11 spectacles, 8 vont être reportés. Voilà, 2 ont été annulés. Et un troisième, malheureusement, aujourd'hui, nous avons eu cette mauvaise nouvelle. On ne peut pas le reporter alors qu'il était prévu. Donc, il y a simplement 8 reports, ce qui fait que cette saison du théâtre va commencer, débuter plus tôt pour permettre eh bien, d'avoir ces spectacles tenus. Et donc, on vous invite dès le 26 septembre au Théâtre Luxembourg, monsieur Moukine. Et on aura besoin surtout de vos présences pour permettre à ce que ces spectacles avec vos amis puissent eh bien, avoir des spectateurs. Et aussi avec la saison d'abonnement qui commencera dès le 26 juin pour l'ouverture aux anciens abonnés et pour vous, nouvel abonné, à partir du 9 septembre. Vous pouvez compter sur notre soutien. Je vous remercie. Monsieur Savret. Je voterai pour, parce que je pense qu'il faut soutenir la culture, c'est important. Après, on peut discuter de la programmation que la mairie... pouvez faire, ça c'est autre chose, c'est un autre débat, mais en l'occurrence, compte tenu en plus de la situation vraiment particulière cette année avec le corona, je pense que tous les éléments qui pourront permettre de soutenir la culture dans sa globalité est la bienvenue. Merci beaucoup, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Ah, abstention pour... c'est pas un groupe, hein, mais pour vous et vos deux colistiers. Voilà, l'équipe. Alors, nous passons au 31, qui concerne des subventions à divers organismes. Alors, je rappelle que les élus qui font partie des conseils d'administration dont nous votons les subventions ne peuvent pas participer au vote. Donc, Monsieur Allard, Monsieur Pastor, Monsieur Rodriguez pour le CSMO Académie Football, Madame Eboumbou pour la DOM, Madame Galaoui pour Sport et Vente Insertion, Madame Blais pour Andizen, Monsieur Tisserand pour le Cinéma Club de Meaux et Madame Osturk pour l'association Franco-Turc. Christian. Alors. Merci Monsieur le Maire, chers collègues. Donc, un certain nombre d'associations ont, comme chaque année, sollicité des subventions d'accompagnement et associations qui vous sont rapportées dans une note complémentaire dans votre dossier, mais également des établissements publics hospitaliers et d'enseignement. Les propositions d'attribution de subventions au titre de l'année 2020
concerne exactement 69 structures et 2 personnes physiques pour un montant total qui vous est rappelé de près d'un million d'euros. Pour rappel, le conseil municipal a déjà attribué une partie de ses subventions à hauteur de 905 520 euros à divers organismes et pour certains pour partie, puisque on était en situation de n'accompagner que sur deux temps, et donc il s'agit de compléter ces subventions. Le conseil municipal est donc invité à voter les subventions ainsi proposées aux associations, établissements publics et personnes privées pour l'exercice 2019. Et comme je vous le disais, vous avez toute la liste répertoriée des différentes associations et les secteurs concernés. Je vous remercie. Merci Christian. Monsieur Moukine. Monsieur le maire, chers collègues, donc nous nous abstiendrons parce que nous n'avons pas eu le temps matériel d'examiner les dossiers donc, qui justifiaient ces 74 subventions. Je m'engage pour le prochain budget à examiner une à une la situation des dossiers déposés en mairie pour veiller à ce qu'il y ait une parfaite équité entre les subventions attribuées à ces différentes associations. Petite question justement au sujet de l'équité. Je suis un peu surpris en constatant donc le montant qui est versé au club de football, CSMO Academy, 155 000 euros, non pas sur la somme en elle-même, c'est tout à fait justifié vu l'importance du club, et c'est un club parfaitement géré, ce qui n'a pas toujours été le cas, nous le savons tous. Par contre, je suis surpris de ne pas voir apparaître d'association, de subvention en faveur de l'ADOM, si ce n'est une subvention de 30 000 euros au budget principal. L'ADOM, que tout le monde connaît, a une section de football remarquable, qui a donc obtenu des résultats supérieurs ou égaux au club de football CSMO et possède un nombre d'adhérents considérable. Donc je voudrais savoir, donc nous avons cru comprendre également à travers donc différentes informations diffusées publiquement que cette association traversait certaines difficultés d'ordre financier. Donc je voudrais comprendre pourquoi il ne lui est pas alloué une subvention sensiblement égale à celle qui est allouée. Et tout simplement parce que chaque association est différente et que le principe, ce n'est pas de donner le même montant de subvention à des associations qui sont différentes. Donc en l'occurrence, l'ADOM a déjà eu sa subvention. 30 000. Oui, bah, qui correspond très très précisément à ce que la ville a toujours donné. On n'a pas les moyens de financer deux clubs de même niveau, c'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, tant que je serai maire, je ne vais pas financer, je n'en ai pas les moyens, deux clubs de même importance, alors qu'ils ne sont pas de même importance. Par ailleurs, vous avez tout à fait raison, il y a des problèmes financiers que nous constatons, malheureusement, et sur lesquels nous sommes obligés, en tant que municipalité, de nous pencher au nom de la défense des intérêts du contribuable, bien sûr. Donc, on est en train de regarder ça d'assez près. Donc, je souhaite, moi, que l'ADOM, qui nous est cher à tous, puisse poursuivre toutes ses activités et puisse bénéficier de l'aide auquel elle a droit de la part de la municipalité. Oui, enfin, écoutez, c'est un souhait que j'entends, mais enfin, moi je suis responsable des deniers publics et attentif quand même à ce que les choses soient bien gérées. Donc il y a des difficultés. Je ne sais pas, quand je vous entends, je ne suis pas certain. Mais peut-être parce que vous ne connaissez pas les choses, ce qui est tout à fait votre droit. Mais enfin, encore une fois, moi je fais un peu attention. Et donc là, en l'occurrence, il y a des difficultés qui nous ont été signalées. On est en train de les regarder. Ah, voilà. Mais je vous promets que le moment venu, on vous dira ce qu'il en est. Hein, ça, c'est sûr. Je vous remercie. De rien. Pas d'opposition. Oui, monsieur, c'est vrai. Oui, je m'abstiendrai parce que je n'ai pas la connaissance de l'ensemble des associations et de leur état et de la justification des subventions qui sont allouées. Cependant, j'en profite aussi pour vous dire que, comme maintenant vous avez une représentante de la cause animale, que absolument, la présidente de l'association Animaux vous a envoyé un dossier et qui traite notamment de leur intervention pour les animaux errants. Donc je pense que
il serait judicieux de la recevoir, en tout cas de lui répondre. Vous avez raison. Je pense que c'est dans l'intérêt de la ville. Voilà. Sandra. Ah, d'accord. Bah, écoutez, voilà. Sandra informe qu'elle a reçu un mail aujourd'hui. Voilà. Sandra, d'abord, je rappelle que c'est la première fois qu'à Meaux, il y a une délégation qui est créée pour la cause animale. J'ai confié à Sandra, effectivement. Et donc, en l'occurrence, ça fait partie des éléments, c'est pas le seul, mais des éléments que, le moment venu, nous serons amenés à proposer aux Meldoises et aux Meldois sur ce sujet. Donc, voilà, donc c'est l'occasion fait le larron. Exactement. Bien. Le vote étant intervenu, nous avons noté vos abstentions. Nous passons au budget, à la délibération numéro 32 sur le budget principal pour des remises gracieuses. Emmanuel Vielpeau. Merci Jean-François. Le débiteur d'une créance locale régulièrement mise à sa charge peut présenter à la collectivité locale une demande de remise gracieuse en invoquant tout motif en sa faveur. Il est proposé dans ce cadre d'autoriser des remises gracieuses sur les 13 dossiers présentés par la direction Enfance Éducation d'un montant global de 1 164,78 €. En outre, un dossier de demande de remboursement des droits d'une activité et deux dossiers d'indemnisation a été présenté respectivement par la direction des affaires sociales et la direction de la police municipale pour un montant global de 436,05 €. Les membres du conseil municipal sont appelés à se prononcer sur ces propositions. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. L'exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure à laquelle je faisais référence tout à l'heure, Amandine de Kessling. Monsieur le maire, chers collègues, pour rappel, la taxe locale sur la publicité extérieure est un impôt qui est instauré de façon facultative par les communes. Une ordonnance en date du 22 avril 2020 prévoit la possibilité d'appliquer un abattement de l'ordre de 10 à 100%. Naturellement, on invite le conseil municipal est invité à adopter une exonération totale de cette taxe pour l'exercice 2020. Pour votre parfaite connaissance, cette proposition elle vient abonder un plan fort d'action pour le soutien des commerces de proximité, notamment l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour activité économique, l'autorisation donnée dès le 28 mai aux restaurateurs d'étendre leurs terrasses, la constitution de commissions ad hoc a permis d'étudier 30 demandes de terrasses éphémères, avec pour conséquence notamment de piétonniser des axes et de neutraliser des espaces de parking payants. On a aidé les commerçants aussi à créer des drives. On a mis en place le dispositif bicyclette pour des livraisons gratuites. Merci Amandine. C'est un très bon travail qui est fait là en ce moment de mobilisation autour de nos commerçants. Et vraiment, je souhaite exhorter à nouveau les Meldois à vraiment saisir toutes occasions pour faire travailler nos commerçants dans ce contexte difficile. Monsieur Moukine. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, nous voterons pour, nous voterons, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour toutes les mesures financières et autres, donc destinées à aider les commerçants de notre ville, commerçants, artisans, petits ou PME, PMI, donc à surmonter cette crise tout à fait exceptionnelle. Nous nous sommes posé une question sur cette taxe locale sur la publicité extérieure, puisque là, donc, il y a une exonération. La question que nous sommes posées, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'elle va davantage profiter, ce n'est pas un reproche, c'était juste une petite question, voilà. Est-ce qu'elle va davantage profiter aux petits commerçants plutôt aux artisans, ou est-ce que finalement elle ne va pas profiter davantage aux grandes surfaces? C'est la question que nous Tous ceux qui ont des enseignes. Oui. On parle du territoire de la commune, hein? Oui, je l'entends bien. Oui. Tous ceux qui, sur le territoire de la commune, payent cette taxe seront exonérés. Toutes les entreprises du territoire. Donc, ce ne sont pas uniquement les petits commerçants. C'est principalement les petits commerçants. Il n'y a pas des tonnes de grandes enseignes sur Meaux. Il y en a quelques-unes. Lesquelles? Il y a Leclerc? Oui, enfin, quand je dis grandes enseignes, grands magasins. Comment? Enfin, tout ce qui est, ne relève pas du petit commerce a des enseignes extérieures, donc je suppose. Non, mais ça concerne que le territoire meldois, donc il n'y a pas beaucoup de grandes enseignes à Meaux. Il y a, sur la route de Trilport, par exemple, où... aux saisons, donc il y a une multitude de... Alors les saisons, c'est sur Choconin Neuf Entier. Sur la route de Trilport, voilà. Il y a une multitude de magasins. Heureusement qu'ils en profitent, pour ils en profitent. Tout ce qui est sur la commune. C'est juste une question. C'est juste une question. Elle est un peu bizarroïde, votre question. On n'est pas complètement né de la dernière pluie. Bon, donc le principe est simple. Nous, on aide les gens qui bossent et qui, en l'espèce, ont été gravement touchés. Bon, tout commerce. Réponse, c'est tout.
de taille grande, moyenne ou petite qui se trouve dans cette situation sur le territoire de Meaux bénéficie de cette exonération. Il n'y a pas tellement de grandes surfaces, pour reprendre votre formule, à Meaux. Il y a essentiellement des commerces et des artisans. Donc voilà. Je vous remercie. Et je rappelle que les saisons de Meaux ne sont pas sur le territoire de Meaux depuis déjà longtemps. Merci. Voilà. Bien, on passe au vote. Donc vous êtes pour quand même, Monsieur Moukine. D'accord, je voulais être vraiment sûr. Monsieur Savray aussi. Comment ? Le bon sens l'emporte, exactement. Donc on est pour, tous. Très bien. Merci beaucoup, Amandine. Alors, sur maintenant la délibération 34, c'est une délibération importante parce que, en fait, ça donne le coup d'envoi du barrage. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je vais te donner la parole, ne t'inquiète pas. C'est lui qui compte. Bon, avec l'autorisation de Didier Attali, je vais donc dire quelques mots. Ah là 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 là, il y a beaucoup d'indiscipline. Bon, donc le barrage de Meaux est une décision importante, vous savez qu'il existe depuis 1936. Il contribue au maintien de la ligne d'eau en amont, et donc évidemment, c'est tout à fait majeur pour la prévention des crues. Et il permet également de répondre aux enjeux d'alimentation en eau potable, on évoquait ça tout à l'heure avec M. Savray, mais aussi à la bonne tenue de la plage de Meaux. Alors, le problème, c'est que ben voilà, ce barrage est maintenant très ancien, qu'il y a des dysfonctionnements et des risques qui sont liés à l'entretien du barrage. Il y a quelques années, il y avait eu un drame terrible, d'ailleurs, avec des plongeurs qui avaient malheureusement succombé à la noyade. Des plongeurs, je parle des professionnels, hein, qui étaient venus pour faire des réparations, malheureusement. Il faut donc reconstruire cet ouvrage de manière plus fonctionnelle, plus sécurisée, plus moderne. Et c'est tout l'enjeu de cette délibération qui va donner le coup d'envoi. Alors, ce que je voulais naturellement vous dire, c'est que c'est l'établissement public des voies navigables qui engage et finance la construction de ce nouveau barrage. Nous travaillons activement avec eux, puisque l'opération vise à répondre à tous les enjeux que j'ai évoqués là, la sécurité du plan d'eau pour la navigation fluviale, la meilleure gestion de la ressource en eau, les conditions d'exploitation pour les manœuvres et la maintenance, la continuité écologique avec une passe à poissons, et puis l'installation de micro-centrales hydroélectriques. Donc dans ce contexte, nous avons à statuer sur la rédaction d'une convention entre la ville, la communauté d'agglomération et les voies navigables pour garantir la préservation des réseaux d'eau et d'assainissement présents sur le futur barrage ainsi que sous la station de crue. Conformément à l'article 5 de cette convention, les Meldois vont être évidemment tenus informés, comme vous pouvez l'imaginer, de l'avancée des travaux. Nous suivrons ça de très près en concertation, notamment avec les riverains, pour limiter au maximum les désagréments. Didier, pour présenter brièvement cette délibération. Merci, monsieur le maire. Je crois que vous avez quasiment tout dit. Juste qu'on a trouvé nécessaire de rédiger cette convention avec les voies navigables de France, puisque nous avions quelques sujets de discordance, il faut le dire, et c'est pour ça que la convention est la bienvenue. On a une définition des travaux préalables réalisés dans la station d'épuration, avec un poste d'assainissement, une opération de déplacement de city-stade, opération d'aménagement paysager et modification de la passerelle Cornillon, plan de circulation des poids lourds et des convois exceptionnels durant la réalisation des travaux, occupation temporaire et cession des parcelles, participation financière et responsabilité en cas de rupture de sinistre et installation d'unités de secours en cas de rupture des conduites. Donc vous voyez bien qu'on a garanti la commune de Meaux vis-à-vis de la construction de ce barrage qui nous a beaucoup préoccupés. Donc l'idée, c'est de m'autoriser en tant que vice-président à signer cette convention. Merci. Merci beaucoup, Didier. Pas d'opposition, j'imagine. Monsieur Moukine ? Oui, merci, chers collègues. Donc, nous voterons pour, bien sûr, ces travaux qui sont indispensables. Une interrogation sur la centrale hydraulique enfin, à venir, ou la micro-centrale hydraulique. Dans la convention, donc, il est simplement stipulé, dans les objectifs de la construction de ce barrage, permettre accessoirement l'installation de micro-centrales hydrauliques. Le terme accessoirement me gêne considérablement parce que pour moi, comme certainement pour l'immense majorité des élus, c'est quelque chose qui est prioritaire de développer évidemment ces énergies nouvelles. L'hydroélectrique ? Oui. Ben, c'est pas du tout nouveau, enfin, ça fait quand même quelques temps. Je le sais.
Vous confondez, merci. Là, je crois, avec le photovoltaïque, l'hydroélectrique, c'est ancien. Merci, monsieur le professeur. Ben là, ce n'est pas une question d'être professeur. Là, c'est, enfin, je veux dire, donc, c'est, je voulais savoir. C'est, pour je crois que c'est au programme du collège, hein, pour oui, le coup. Merci, là, donc, monsieur, cher maître. Donc, je voulais savoir pourquoi cette expression permet accessoirement dans cette convention. Ben parce que ce n'est pas l'objet principal du barrage. D'accord. C'est pour ça. Donc il y aura une production d'électricité par le mode hydroélectrique, mais ça n'est pas l'objet principal du barrage. Qui sera réalisé par un autre opérateur que Voies Navigables de France. Ah bah eux, ils vont. Ça pour le coup, je ne sais pas si c'est. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, Didier? Voilà, c'est. Oui. Donc c'est la Voies Navigables qui construit ça ou c'est EDF? Ben, ils font ça seuls ou avec EDF? Oui, ça, je sais pas. Mais il faut sans doute un autre opérateur, oui. C'était simplement le sens de ma question. Je vous remercie. Alors non, en fait, vous vous rattrapez aux branches, là. Quand vous n'étiez pas des tuyaux là-dessus. Quand non, on mais est d'accord. Il faut mieux se rattraper aux branches. Bah, c'est ça, vous faites ce que vous pouvez. Mais là, honnêtement, vous n'étiez pas parti là-dessus. On vous sauve, là. Allez, c'est pas grave. Ça arrive. Souvent, avec vous. Bien. Allez, donc on passe au vote. Je crois que c'est unanime, là. On est tous d'accord, hein. Monsieur Savré, je ne vous ai pas entendu, mais vous êtes d'accord? Vous le diriez, on est d'accord. OK. Alors, nous passons maintenant à la délibération 35. Monsieur Bras, pour la désaffectation et déclassement d'une emprise appartenant au domaine public. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre d'une demande d'un riverain pour acquérir une emprise de 30 mètres carrés appartenant au domaine public, en continuité de son habitation au 41 rue de la Corniche, dans le but de pouvoir réaliser une extension rendue nécessaire par son handicap. Il est nécessaire de procéder à la désaffectation et au déclassement de cette emprise. La cession de l'emprise se fera sur la base de l'évaluation de la valeur vénale réalisée par le service des domaines. Le conseil municipal est invité à approuver la désaffectation et le déclassement de cette emprise du domaine public communal. Et on verra passer cette délibération sur un conseil suivant pour lui vendre par la suite. Merci. Merci beaucoup. Oui, pardon. Oui, merci. Donc, je voulais simplement, nous voterons pour, évidemment. Et remercier hein, les personnes qui sont les services, les élus, l'élu en charge du handicap, hein, pour cette initiative humaine en faveur d'une personne en difficulté. Voilà. Comme vous le savez, c'est pour nous une vigilance de chaque instant. Tout le monde est pour, naturellement. C'est adopté. Le point 37 concerne la convention d'intervention foncière. 36 d'abord. Excusez-moi, 36. Arthur Georges Bras. Donc vous avez la liste des personnes à qui nous proposons donc d'attribuer une subvention dans le cadre de la mise en place de l'aide au ravalement, sachant que la commission communale donc d'attribution des aides municipales, qui s'est réunie le 2 mars 2020, a émis un avis favorable. Je vous remercie. Je voudrais préciser, avant que M. Moukine ne prenne la parole, que parmi ces bénéficiaires, il y a Olivier Morin, qui était élu au conseil municipal et qui est conseiller départemental, que son dossier a été examiné avec la plus grande rigueur, au même titre que tous les autres administrés qui demandent à pouvoir bénéficier de la subvention dans le cadre de la rénovation de sa façade là où il réside. Et l'architecte des bâtiments de France a validé la déclaration préalable des travaux, de telle sorte que les choses se sont passées dans le respect le plus absolu des règles. Voilà, je le dis parce que je crois que c'est important que tout ça soit parfaitement clair pour tout le monde. Monsieur Moukine. Oui, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Donc nous voterons pour, bien sûr. C'est une excellente initiative. Hein. Donc l'aide à ce ravalement, ça permet donc à notre centre-ville, au fil des années, de s'embellir, d'être valorisé. Donc j'aimerais avoir, mais pas ce soir, simplement connaissance du nombre de projets qui ont été... 523. Ah ben je vous remercie. Et de la somme donc engagée au fil des années, puisque je pense que ce système doit remonter à votre arrivée peut-être exactement. Il y a 25 ans déjà. C'est une des premières décisions que j'ai prises, qui était de travailler à l'embellissement de la ville, parce que j'étais, comme beaucoup, très sévère sur la manière dont nos prédécesseurs, à l'époque, ne se préoccupaient pas vraiment de l'embellissement du centre-ville. Vous vous souvenez du trou du Grand Cerf, vous vous souvenez de tout ce qu'il y avait, enfin, c'était affreux. Et donc, on a lancé cette opération de réhabilitation de l'habitat ancien, et on a fait un gros travail en partenariat avec les propriétaires, qui ont bien voulu participer et pour lesquels une subvention a été versée. Voilà. Voilà.
Et 1 710 000 euros de subventions depuis le début de l'opération. Très, très efficace, Monsieur Bras. Donc, je voulais remercier également Monsieur Bras et donc son équipe qui nous ont accueillis au sein de la commission informelle d'urbanisme et qui ont répondu à nos différentes questions. Vous voyez qu'on est des gens bien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Point 37. Arthur Georges Bras. La commune de Meaux identifie les fonciers mutables qui représentent de nouvelles opportunités d'opération d'aménagement en plein cœur de ville. Ces fonciers représentent d'importants volumes de surface, de planchers à créer, donc en gros des constructions, et il convient d'ordonnancer les différentes opérations d'aménagement les unes par rapport aux autres, afin surtout de ne pas saturer le marché immobilier et éviter que donc on ait trop de constructions et que les prix puissent chuter, c'est ce que l'on a vu malheureusement sur d'autres territoires, et de tenir compte des capacités d'équipement des différents équipements publics. Ça d'ailleurs, c'est la feuille de route que Jean-François Copé a fixée à la direction de l'urbanisme et à moi-même, qui est de veiller à ce que chaque opération immobilière s'intègre par rapport à la capacité d'accueil des différents futurs habitants dans nos différents équipements publics, que ce soit en matière de petite enfance, d'enfance ou d'éducation. La ville de Meaux a identifié aujourd'hui 4 secteurs à enjeu sur son territoire qui peuvent muter à moyen ou à long terme. Le secteur dit Roosevelt, qui intègre l'ensemble des différentes concessions automobiles, y compris donc le site actuellement occupé par EDF. Le secteur dit Barennes, donc, où se trouve actuellement l'entrepôt géré par Transdev. Le secteur de l'hôpital Saint-Faron, avec la reconstruction de l'hôpital, puisqu'il y a un foncier qui va être libéré, donc avec les bâtiments qui seront démolis. Et le secteur Foch-Le Royer, qui là est une opportunité, puisque le Crédit Agricole souhaite vendre aussi une partie donc, de ses bâtiments. La ville de Meaux n'a pas forcément l'assiette financière suffisante pour mener de front la maîtrise foncière de ces 4 fonciers, donc les acheter, les porter, dans l'attente de pouvoir ensuite les revendre à des opérateurs pour y faire soit du logement, soit d'autres opérations d'activité. Ainsi, il s'agit de s'assurer du concours donc, de l'établissement public foncier d'Île-de-France, autrement appelé l'EPIF, pour éviter la fuite de ces fonciers vers des opérateurs privés. Une convention entre l'EPIF et la ville de Meaux et la CAPM est donc proposée pour une durée de 8 ans, pour une enveloppe financière qui pourra aller jusqu'à 25 millions d'euros, l'EPIF se chargeant donc d'acquérir ces différents fonciers, de les porter et ensuite de les céder en fonction bien évidemment des directives qui seront données par la ville de Meaux et en fonction de ce que l'on souhaite faire. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention si annexée et d'autoriser le maire à la signer. Je vous en remercie. Merci. Monsieur Moukine. Monsieur le maire, chers collègues. Donc je dois vous avouer qu'avant d'assister à la commission d'urbanisme, j'étais un peu réservé sur cette délibération. Je me méfie toujours, c'est le bon sens paysan, on met le doigt, des établissements machins, bidules, trucs mûches. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas toujours comment c'est géré. Et donc M. Bras nous a expliqué très clairement, simplement en répondant à nos questions, que c'était un outil très intéressant, utilisé par de nombreuses villes. Ça apporte donc, bien sûr, une souplesse budgétaire considérable, une souplesse également dans la gestion, dans les acquisitions. Et puis, donc, c'est un outil supplémentaire pour mieux maîtriser les grands projets à venir sur ces quartiers, peut-être éviter de refaire le coup de la ZAC du Luxembourg ou de la ZAC du Mont-à-Bord. Donc, nous voterons pour... Pour l'anecdote, je tiens que je ne suis en charge, je ne suis à l'initiative ni de l'une ni de l'autre. Hein, c'était avant moi. Hein. Les deux actes dont vous parlez là. Hein. ZAC du Mont-à-Bord, je n'en suis pas certain. Bah, le ZAC du Mont-à-Bord, c'était bien avant. Non ? Monsieur Moukine trouve ça moche, mais après, les personnes qui ont acheté sur place trouvent ça beau et beaucoup d'habitants trouvent ça beau. Bon, après, oui, franchement, c'est pas très amical. Autant le Luxembourg, je veux bien, mais Mont-à-Bord quand même. Non, mais même, je trouve que c'est pas très correct parce que les gens, ils ont acheté, il faut respecter quand même. C'est pas. Mais ça n'a aucun rapport. Bah, un petit peu quand même. Non, quand vous achetez un bien, vous en êtes heureux. Je porte une appréciation sur l'urbanisme. Oui, d'accord. Enfin, il se trouve que cet urbanisme, il n'est pas en apesanteur. Il y a des gens qui y habitent, il faut les respecter. Qui ont été faits par votre municipalité. Mais non, mais c'est pas... Mais écoutez, c'est indirectement. C'est pas nous, quand même. Enfin bon, bref, peu importe, on ne va pas polémiquer. C'est pas grave. OK, on passe au vote. Qui contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, nous passons maintenant à la délibération numéro 38. Laetitia Blais. Monsieur le maire, chers collègues, la commission d'action sociale de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne accorde une aide financière complémentaire de 11 200 euros au titre de l'exercice 2019 en faveur du multi-accueil du rez-de-chaussée de la maison de la parentalité. Ce montant correspond à 8 places agréées pour un montant forfaitaire
de 1 400 euros par place nouvelle, soit 1 400 x 8, 11 200 euros. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer cette nouvelle convention qui couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Merci Laetitia. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Le numéro 39, Corinne Pono-Roger. La mission assignée à l'ANCV consiste à favoriser l'accès aux vacances pour les personnes à revenus modestes et assure notamment la mise en œuvre du programme Bourse Solidarité Vacances. Suite à une évolution réglementaire imposée par l'Union européenne en matière de protection des données personnelles prévue dans ce dispositif, il est nécessaire de signer une nouvelle convention cette année. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser le maire à signer une nouvelle convention de partenariat entre l'Agence nationale pour les chèques vacances et la ville de Meaux s'y annexer. Merci beaucoup, Corinne. Pas d'opposition, pas d'abstention. Oui. Monsieur le maire, donc nous voterons pour évidemment cette délibération qui permettra donc à nombreuses familles meldoises modestes de partir en vacances. Il faut rappeler, enfin tout le monde le sait, ou enfin, parfois on l'oublie, qu'il y a plus d'un Français sur deux qui ne part pas en vacances. Merci, pas d'opposition donc et pas d'abstention. Nous passons au point 40. Laetitia Blais, c'est sur la reconduction de notre commission communale pour l'accessibilité. La loi du 11 février 2005 impose aux communes de plus de 5000 habitants la mise en place d'une commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Cette instance a été créée par la délibération en date du 27 juin 2007. Il a été renouvelé en 2014 pour la durée du nouveau mandat. Cette commission est présidée par le maire qui arrête la liste de ses membres. Elle est composée de 21 membres répartis de la manière suivante. Le maire, membre de droit ou seront représentants, 5 représentants du conseil municipal, 6 représentants des usagers, 7 représentants d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées, 2 représentants d'associations ou d'organismes représentant les personnes âgées. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la reconduction de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées et d'en fixer la composition. Merci Laetitia. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Laetitia garde la parole pour la délibération numéro 41 concernant le rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité. Donc, comme évoqué lors de la présentation de la précédente délibération et conformément à l'article 46 de la loi précitée, cette commission doit établir un rapport annuel recensant les actions handicap mises en place en 2019, ainsi que les travaux d'amélioration de l'accessibilité à entreprendre pour l'année 2020. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce rapport. Merci. Pas d'opposition ? Oui. Oui, monsieur le maire, chers collègues, donc je voulais féliciter donc tous les services qui ont travaillé. Il y a donc une somme d'1,2 million pour les travaux réalisés en 2019. Et sur les perspectives 2020, il y a une nouveauté que je tiens à souligner, donc qui est la réalisation, enfin, en tout cas le projet de réaliser une journée sportive handicap avec des scolaires. C'est une très belle initiative. Merci beaucoup pour toutes ces éloges. Donc, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci Laetitia. Alors, nous passons au point 42 pour la formation des élus municipaux et la fixation des crédits affectés. Emmanuel. Tout à fait. Le droit à la formation est un droit individuel ouvert à chaque élu qui pourra bénéficier pendant l'exercice de son mandat de la prise en charge de sa formation relative aux questions ayant trait à sa fonction élective et à la gestion municipale. Il est proposé d'allouer une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 10% du montant total annuel des indemnités de fonction susceptibles d'être versées aux élus. La prise en charge de la formation des élus sera selon les principes législatifs et réglementaires. Merci beaucoup, Emmanuel. Je rappelle que cette formation est accessible naturellement à tous les élus, y compris les élus d'opposition. Pas d'opposition, pas d'abstention. Alors, le remboursement des frais de transport et de séjour des élus, Emmanuel. Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la commune lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Les frais engagés concerneront les frais d'hébergement, les frais de repas et les frais de transport. Le remboursement sera engagé au vu de justificatifs qui seront transmis par l'élu à la collectivité, accompagné d'un ordre de mission signé par le maire. Pas d'opposition ni d'abstention. Le point 44, pour l'indemnité des frais de garde d'enfants ou de personnes dépendantes. Les conseils municipaux peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune des frais de garde d'assistance à personne âgée handicapée. Ce remboursement ne peut excéder par heure le montant horaire du SMIC. Par ailleurs, le maire et les adjoints au maire qui utilisent des chèques emploi-service universels prévus pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, de l'assistance des personnes âgées ou handicap, ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en raison de leur participation aux réunions communales, peuvent percevoir une aide financière dans des conditions fixées réglementairement. Ces remboursements seront engagés au vu de justificatifs qui seront transmis à l'élu à la collectivité, par l'élu à la collectivité. Pas d'opposition. Oui, Monsieur Mouki. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, donc petite question. Je n'ai pas compris si donc cette mesure s'appliquait à tous les élus ou uniquement aux maires et les adjoints du maire. Ah bah non, pourquoi ? Tout le monde. Il y a une partie, si oui, exactement, oui. Monsieur Moukine, vous avez raison sur le sujet. C'est la deuxième partie, ce concerne l'échec emploi-service universel. D'accord. Voilà. Mais pour le reste, ça s'applique à l'ensemble des conseillers municipaux. Je vous remercie. Bon, tout ça, c'est des délibérations totalement statutaires. On les passe parce qu'il faut les passer en début de mandat. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Alors, la délibération 45 est importante parce que c'est une délibération que nous avons souhaité, avec Emmanuel Vielpeau, soumettre au Conseil municipal, qui est une prime exceptionnelle versée pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré avec l'épidémie de Covid. Vous savez qu'on a tout mis en œuvre pour éviter la diffusion du Covid, soutenir les soignants, accompagner tous les professionnels qui étaient sur le terrain, et il y a eu un gros travail qui a été fait. Excusez-moi. Aucun lien entre cet éternuement et ce que nous vivons. Pardon. Et donc, on a vraiment eu la chance d'avoir ici des équipes absolument formidables qui ont été mobilisées avec beaucoup de dévouement, de sens de l'intérêt général. Et c'est vrai que c'est à l'honneur du service public et à l'honneur de l'administration de voir des fonctionnaires qui n'ont pas hésité dans des missions qui étaient des missions difficiles et essentielles. Je pense à tout ce qui touche à la sécurité, à la propreté urbaine, à la garde des enfants aussi, des personnels soignants. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous proposer que des primes exceptionnelles leur soient versées. Il s'agit, il y a trois types de situations. Il y a l'agent présent, parce qu'il fallait qu'il le soit, l'agent télétravail, et puis l'agent mobilisé pour la distribution des masques à la population meldoise. Et donc vraiment, je veux remercier les agents municipaux qui ont fait preuve d'une très grande abnégation, et on fera d'ailleurs le même exercice pour la communauté d'agglomération. Et donc je vais laisser la parole à Emmanuel Vielpeau pour qu'elle vous donne le détail de cette prime exceptionnelle qui sera versée. Merci Jean-François. Donc la ville de Meaux versera aux agents en présentiel une prime de 500 ou de 1000 euros selon le pourcentage de présence durant la période de confinement. Aux agents en télétravail, une prime de 250 ou de 500 euros selon le degré de mobilisation exceptionnelle et selon sa durée pendant le confinement. Aux agents mobilisés pour la distribution des masques à la population meldoise, une prime de 50 euros par jour, samedi ou dimanche, ou samedi et dimanche. Cette prime sera versée en une seule fois et n'est pas reconductible. Cette prime est exonérée de cotisations et de contributions sociales, ainsi que d'impôts sur le revenu tel que le prévoit le texte réglementaire de référence. Et j'ajouterai à cette délibération, je rejoins tout à fait les propos de M. Copé concernant l'investissement de nos agents de la ville de Meaux pendant la période du Covid. Je tiens à préciser que les partenaires sociaux, naturellement, ont été pleinement informés de cette décision. Oui. M. Moukine. Monsieur le maire, chers collègues. Donc nous voterons bien sûr cette délibération, ça va de soi, hein, et je m'associe aux remerciements que vous avez adressés à l'ensemble des agents. Et je souhaite également un prompt rétablissement à certains agents, malheureusement, ou à leurs familles qui ont été touchées par ce virus. Donc, Gilles. Monsieur Savré. Oui. C'est bon. Excusez-moi. Oui, une prime, c'est bien, mais je dirais que mon propos s'adresse plutôt à l'État. Je dirais que si on pouvait retrouver les dotations de l'État qui ont été rognées depuis déjà de nombreuses années,
Ça permettrait sans doute de faire évoluer, je dirais, peut-être au niveau national, la grille indiciaire des agents territoriaux qui, je pense, en ont bien besoin. Alors, une prime, c'est un plus. Nonobstant, après, les critères d'attribution qui sont toujours discutables. Vous nous avez dit que vous avez fait part de la décision partenaires sociaux. Je n'ai pas entendu le mot négociation avec eux, mais peut-être bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a rien à négocier. Tout le monde est très content. Non, mais attendez, la négociation, c'est non, mais là, ça permet de, à chacun de se faire entendre et d'écouter ce qu'ils avaient peut-être à dire. Ou à, bah, ou ce à qui a été fait, oui. Ah, d'accord. Pas, non, mais parce que comme je vous dis qu'ils ont été informés, mais il n'y a pas de négociation. Qu'est-ce que vous voulez négocier? On n'est pas, c'est pas, bah, après, c'est pas un prime, conflit social. Ça se négocie. Niveau comment? Un bah, niveau de prime, ça se négocie. C'est la bon. Prime maximale. D'accord. Enfin, là, on a fait vraiment le maximum de ce, qui, de bon. Ce que les textes nous permettent de faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils ah, négocient une baisse? Il oui, n'y ah, a pas d'accord. Bon, bah, oui. Écoutez, dont acte. Mais voilà, donc j'espère que l'évolution des décisions de l'État seront plutôt favorables à l'évolution des salaires des agents des collectivités territoriales qui en ont bien besoin et qui le qui, à mon avis, serait judicieux pour relancer aussi, je dirais, l'économie au niveau national. Merci beaucoup, M. Savret. Donc, unanimité sur cette délibération. Il nous reste donc l'avis sur la dérogation à la règle du repos dominical pour les soldes d'été 2020. Vous savez, j'en ai parlé au début de notre conseil. L'idée, c'est que suite à la décision du gouvernement de décaler les soldes, les dates de soldes plutôt, et à la demande écrite des commerçants pour remplacer les dimanches 28 juin et 5 juillet par ceux des 19 et 26 juillet, nous sommes sollicités pour donner notre avis pour le changement de date correspondant aux nouvelles dates. Chaque salarié privé de repos dominical percevra, comme vous le savez, une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et un repos compensateur équivalent en temps. Voilà. Donc, pour faciliter l'organisation du travail de ces établissements, il est proposé évidemment au conseil municipal d'émettre un avis favorable. Monsieur Moukine. Monsieur le maire, chers collègues, donc bien sûr, nous voterons pour, nous soutiendrons toutes les mesures prises en faveur des commerçants. J'en profite pour aborder le dernier point, la liste des décisions du maire. Nous n'avons pas de questions particulières. Nous attendons par contre toujours les réponses aux questions que nous avons posées lors du premier conseil municipal. Merci. Donc pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Le prochain conseil municipal aura lieu le 25 septembre. Très bonne soirée et très bon week-end. Je signale que le musée de la Grande Guerre rouvre à partir de demain ses portes, que des animations sont prévues et que les Meldois y sont attendus nombreux, ainsi que les visiteurs. Merci à vous.